Le titre du cours, hein, catégorie syntactique pour les motifs de Nori. Euh, L'objet du cours est euh, principalement d'expliquer le contenu euh, d'un article euh, que j'ai écrit là, euh, donc, qui est signé de Barberi Vialet, euh, Luca Barberi Vialet, Olivia Caramello et moi-même. Euh, donc la, la première chose que je dois dire euh, avant de commencer, euh, c'est que euh, <laughs> Les contributions des trois signataires ne sont pas égales. <laughs> C'est-à-dire que, le, en fait, tout le travail de, de recherche, de découverte et de rédaction a été fait par euh, Olivia Caramelo. Euh, bon, elle a voulu que Barbary Viallet et moi euh, signions, euh, parce que ce travail n'aurait pas existé sans nous. Euh, donc, c'est moi qui lui ai introduit à la géométrie algébrique, qui continue à le faire d'ailleurs. Euh, et nous avons parlé des, des centaines d'heures, donc euh, je l'ai écouté. éventuellement je faisais des remarques, mais euh, euh, c'est vraiment elle qui a fait toute la recherche. Et puis, euh, euh, je dis, le, le travail n'aurait pas existé sans Barbieri-Vialet non plus, parce qu'il trouve son origine dans une question posée par Barbieri-Vialet, euh, à la suite d'une conversation avec moi, et euh, tout à l'heure je vais expliquer un peu le... Le, euh, la, la question initiale euh, de, de Lucas. Euh, voilà. Euh, donc, euh, je vais expliquer principalement le contenu de cet article qui, en fait, euh, se place dans un contexte euh, qui s'appelle la théorie des topos classifiants, euh, qui est une théorie qui existe depuis les, les années 70, euh, mais que les géomètres algévristes, euh, en, en général, ne connaissent pas du tout. Euh, et euh, le, en fait, dans le cadre de cette théorie, euh, les ingrédients euh, utilisés euh, par Olivia sont, des, sont vraiment des ingrédients de base de la théorie euh, qui existe depuis euh, plusieurs décennies. Euh, euh, donc, euh, je vais être amené à, évidemment à introduire ces ingrédients. Euh, je je m'adresse principalement aux gématragéristes, c'est-à-dire à des personnes qui ne les connaissent pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que. Euh, Olivia a pensé que ce serait mieux que ce soit moi qui fasse le cours, euh, étant donné que j'en je, connais euh, pas beaucoup plus que les géomètres algébristes, et qu'il y a quelques années, je connaissais absolument pas ces choses-là. Euh, voilà, donc, euh, donc les ingrédients sont des ingrédients de base euh, qu'on peut trouver en particulier. Ils sont tous, euh, en fait, euh, contenus dans cet article qui fait quelques dizaines de pages, qui s'appelle Topos Theoretic Background, qu'on peut trouver sur le site d'Olivia, mais on peut aussi les trouver dans. Dans des livres euh, 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 sur la théorie des topos classifiants. Et puis, euh, j'espère que dans l'exposé 3, j'aurai un peu de temps pour parler euh, d'un autre article, qui est un article programmatique beaucoup plus sophistiqué, et, euh, donc écrit euh, par Olivia, euh, mais qui lui aussi, comme l'autre, euh, trouve son origine dans la question posée par euh, barberi Viallet. Hein, euh, mais euh, donc là, contrairement au précédent, c'est un, un article beaucoup plus sophistiqué et qui s'appuie sur euh, en fait, euh, un bon nombre de travaux antérieurs euh, d'Olivia sur la théorie générale des topos classifiants. Alors, euh, voilà, j'ai prononcé plusieurs fois cette expression, topos classifiant euh, Donc ici, il y a deux choses à dire. C'est que d'abord, pour les résultats que je vais présenter, euh, en fait, le, on n'a pas besoin de savoir ce que ni ce que c'est qu'un topos de Grothendieck, ni ce que c'est qu'un topos classifiant. Euh, donc, le, objet, enfin les objets appelés topos classifiants n'interviennent pas euh, dans le travail. Mais ce qui intervient, c'est euh, des constructions qui servent à construire les topos classifiants, et qui ici sont reprises ou des variantes de, ce construc de ces constructions euh, dans le contexte euh, que je vais expliquer. Alors, euh, donc, ne serait-ce que pour comprendre euh, un peu le paysage général, je vais tout de même, euh, donc, au cours euh, de, de, des exposés, je vais tout de même euh, euh, parler de cette notion. Alors d'abord, je le dis en termes général et très vagues, donc de quoi s'agit-il euh, donc, c'est une construction extrêmement générale qui est, qui est une construction qui part de, de la logique, c'est-à-dire de la notion de théorie, euh, théorie du premier ordre, et même techniquement, pour être précis, la notion de théorie géométrique du premier ordre. Et donc, cette construction, euh, euh, dont la première idée en fait remonte à Grothendieck lui-même, euh, cette construction associe à une telle théorie un topos, un topos au sens de Grothendieck. Euh, qui vérifie en particulier la propriété suivante, c'est que les points de ce au sens de Grotendieck, euh, s'identifient au modèle de la théorie. Quand je dis les modèles, je veux dire d'abord euh, ici les modèles ensemblistes, hein, c'est-à-dire les ensembles, ni du type de structure définie par la théorie. La manière dont il faut comprendre ça, c'est que quand on a une théorie, c'est-à-dire une présentation logique, euh, euh, ben on s'intéresse aux objets euh, qui euh, rentrent dans le cadre de cette théorie. Euh, donc, c'est le passage d'une présentation logique au contenu mathématique de la théorie, et ceci s'incarne mathématiquement dans le passage d'une théorie au sens de la logique, une théorie formelle, euh, à son topos classifiant. Alors, euh, en particulier, il, il peut se produire et, euh, euh, que euh, des théories différentes aient euh, des topos classifiants équivalents, ce qui signifie que des théories différentes ont le même contenu mathématique. Et en fait, le, tous les travaux d'Olivia sont consacrés à l'étude de ceci, qu'elle pense euh, quelque chose de très important, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai été convaincu par ce qu'elle m'expliquait, euh, c'est que, le, bon, en géométrie algébrique ou dans le programme de l'anglais, euh, en fait, beaucoup de problématiques consistent à essayer de relier des théories différentes, et donc, euh, en fait, cette théorie générale des topos classifiants propose un, un cadre mathématique général pour penser ce genre de relation. Donc, euh, euh, depuis plusieurs années, j'en avais parlé à un certain nombre de géomètres algébristes que je connaissais. Euh, et il euh, bon, y en a un, euh, à savoir barberi Viallet, euh, à qui j'avais parlé de ça aussi, le, à la fois de la théorie générale des topos classifiants et de euh, certains travaux euh, spécifiques euh, d'Olivia Caramello. Euh, et euh, je me, euh, donc en fait, c'est un peu un hasard, parce que barberi Viallet m'avait invité à Milan pour faire un cours euh, de, sur la formule de Poisson, transformation de Fourier, quelque chose de tout à fait différent. Un soir, il m'avait invité à dîner, je lui avais parlé de ça, et euh, quelques mois après, euh, j'ai eu la surprise de recevoir un message de Barbier-Rivière, on n'avait pas communiqué entre temps, où il m'avait dit qu'il avait réfléchi à ce que j'avais dit, et euh, donc euh, il, euh, voilà, voilà ce qu'il proposait, que j'ai écrit là. Il disait qu'il devrait exister euh, donc ce qu'il a appelé un topos motivique, hein, c'est lui qui, dans son message, introduit ce mot-là, topos motivique. Euh, ce qu'il veut dire par là, c'est un topos classifiant. Euh, classifiant quoi Classifiant les théories cohomologiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il attendait, euh, donc, dans son message, il dit qu'il voudrait les choses suivantes. D'abord que les points de ce topos, ben, ça soit les modèles d'une théorie générale des théories cohomologiques. Autrement dit, les points de ce topos, ça soit les théories cohomologiques. Euh, que les, les motifs, ça soit les objets abéliens du topos. Donc les foncteurs de réalisation qu'on qu attend des motifs vers les, les différentes euh, théories homologiques, ça se réinterprète simplement comme, comme les foncteurs fibres. Quand on a un topos et un point d'un topos, ben, il y a un foncteur fibre associé. Euh, et enfin, la, 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 la dernière propriété qu'il voulait, c'est que la propriété universelle qui euh, caractérise les, et définit les topos classifiants. Hein, J'expliquerai euh, plus tard ce que c'est. Donc il voulait que cette propriété universelle, ça soit la propriété universelle des, qui définit euh, euh, les motifs de Nori. Donc, euh, le, donc voilà ce qu'il ce qu y avait dans le, le, le message de, de Luca. Euh, bon, en fait, le, il me disait aussi qu'il euh, commençait à réfléchir là-dessus avec un professeur de Milan, euh, spécialiste de logique catégorique euh, et, et de topos. Bon, et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant euh, une année, ils n'ont pas avancé. Même ce professeur a conclu que le, le, le programme était impossible. Euh, donc, Barbary Vialet, sur mon conseil, s'est tourné vers Olivia. Euh, qui a commencé par apprendre beaucoup de géométrie algébrique, en particulier la construction de nos rythmes, de manière vraiment profonde. Et puis à un moment, elle s'est mise à écrire, donc d'abord euh, l'un des textes, et puis ensuite l'autre. Euh, et elle nous envoyait les états successifs euh, des textes, et en fait, euh, ni euh, Luca ni moi n'avons euh, euh, contribué... Euh <laughs> Euh, à, euh, enfin le, voilà on recevait les textes, on n'a jamais rajouté une ligne donc euh, tout ça pour dire que le, le, le travail est vraiment d'elle même si encore une fois elle a des elle a enfin, nous avons parlé euh, des, probablement pendant des centaines d'heures euh, de, euh, voilà Alors, euh, donc voilà pour le contexte général alors maintenant euh, je dis tout de suite quel sera le plan du cours donc le plan du cours, donc aujourd'hui euh, je veux simplement donner les énoncés Euh, la prochaine fois, c'est-à-dire dans une semaine, euh, je donnerai les démonstrations, ou au moins l'essentiel des démonstrations. Hein? Donc en particulier, euh, je serai amené à expliquer les, euh, les, les ingrédients de la théorie des topos classifiants qui rentrent dans les démonstrations. Et puis euh, l'exposé 3, dans deux semaines, euh, je voudrais euh, dresser une liste de questions qui se posent. Dans l'état actuel euh, du travail, hein, et, en fait des questions qui portent euh, euh, sur, euh, euh, disons, les propriétés générales des foncteurs comologiques. Euh, voilà. Alors pour aujourd'hui, euh, voilà. Donc je vais donner les énoncés. Donc il y aura trois euh, paragraphes. Donc d'abord, je vais rappeler la construction de Nori. Donc Nori a proposé une construction euh, qui euh, permet de construire une, une catégorie euh, abélienne, culinaire, qui est un candidat pour être la, la catégorie des motifs. Donc je vais d'abord appeler la construction de Nori. Le paragraphe 2, ça sera la réinterprétation et généralisation. Euh, donc de Caramello. Euh, euh, C'est ver... euh, quelque chose qui, rep... enfin, qui contient en particulier la construction de Nori, mais vous verrez que même dans le, le, le cadre euh, 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 que Nori avait considéré, euh, la construction euh, donc de, de Caramello est euh, complètement différente. C'est-à-dire qu'on construit des, les mêmes objets, ou plus exactement des objets équivalents, des catégories équivalentes, mais d'une manière complètement différente. Euh, et puis, troisièmement, bah, ça sera euh, l'application au motif. Voilà. Euh, donc, ça, c'est le plan euh, d'aujourd'hui. Alors, d'abord, euh, la partie 1. Euh, donc je veux rappeler euh, ce que euh, a fait, de, ce que, ce, ce que euh, la construction de Norik. En fait, il avait expliqué à l'IHES euh, lors de la conférence euh, Grottendieck, euh, qui était en, c'était en 2000, 2008 hein, pour les, 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 à l'occasion des 80 ans de Grottendieck. Il y avait un exposé de 2009, oui, parce qu'il y a un peu de retard, janvier 2009, c'est ça. Euh, et euh, donc il y avait un exposé de Nori et Nori dans cet exposé, dont on peut trouver les, les, les vidéos sur le site de l'IHES. Euh, donc Nori avait expliqué cette construction. Euh, alors euh, euh, donc je vais donner tout de suite le euh, le, le, le théorème de, de Nori, enfin le premier théorème de, de, de Nori, qui est une construction générale. Euh, donc, je, bon, disons théorème 1 de Nori. Donc, c'est une construction générale euh, euh, en théorie des catégories. Alors, euh, les ingrédients, c'est un carquois, si vous préférez, un graphe orienté. Donc, on a des objets et des flèches. Les flèches ont euh, un objet source et un objet but, euh, mais on ne suppose même pas euh, que c'est une catégorie, c'est-à-dire on suppose pas que, nécessairement que les flèches se composent. Euh, voilà. Euh, D'autre part, un anneau neuterien. C'est le même qu'un graphe orienté ou c'est un autre? Oui, c'est un, un graphe orienté. Pardon? Est fini. Il est en condition de finitude ou? Non, c'est simplement que, les, euh, que les, les, les objets, les flèches soient éléments d'un ensemble. On a besoin de cette hypothèse, mais ça peut être fini, infini. C est, c est, la construction est extrêmement générale. Euh, voilà, donc on a R un anneau neutérien et T une représentation euh, de euh, euh, ce carquois euh, dans les R-modules de type fini, hein, que je note comme ça. Euh, donc représentation, ça veut dire simplement qu'à chaque objet on associe un R module de type fini, et à chaque flèche on associe euh, un homomorphisme entre deux tels modules. Oui, oui, oui on parle d'anneau commutatif. Euh, alors, euh, euh, donc le théorème de, de Norris, c'est qu'il existe. Euh, une catégorie qu'on va noter CT, donc c'est une catégorie abélienne et R linéaire. Donc c'est la première donnée. Euh, la deuxième donnée, c'est une représentation du même carquois à valeur dans cette catégorie, hein, donc une représentation au même sens. Et enfin, un foncteur. Euh, qu'on va noter Ft, qui va de cette catégorie dans la catégorie des R modules de type fini. Hein, donc ici vous, euh, vous avez un foncteur entre deux catégories abéliennes R linéaires. Donc on va demander que ce foncteur est additif, R linéaire, exact et fidèle. Pardon Pourquoi tu ne prends pas FT, les R modules Attends, c'est Il n'a pas tout dit J'ai pas tout dit. Non, non. Euh, <laughs> c'est sûr que... Non, non. Donc euh, voilà. Donc euh, il existe une catégorie telle que... Alors la première propriété, évidemment, c'est qu'il y a factorisation. Euh, donc euh, ça veut dire qu'on part de notre diagramme D. On va dans les R modules de type fini, donc à travers T. Et on veut que le composé, donc ici vous avez t tilde, là vous avez ct, et euh, là euh, vous avez ft, donc on veut que ce composé soit égal à t. Donc ça c'est la première propriété. Alors évidemment, euh, effectivement, euh, la catégorie des R modules vérifie cette propriété, mais ce qu'on demande en plus, c'est que ct soit universel. Pour cette propriété. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on se donne une autre catégorie abélienne R linéaire avec un, une autre représentation de D dans cette catégorie et un foncteur ici. Euh, euh, donc, un foncteur F dont on suppose qu'il est exact et fidèle, hein, donc toujours la même propriété, et euh, tel que, bien sûr, le composé soit égal à T. Donc, sous ces hypothèses-là, soit égal à isomorphisme prévu, euh, on met euh, soit égal. Alors, donc euh, ici, l'hypothèse, c'est que le composé de ces deux foncteurs, oui. le composé de ces deux foncteurs, soit égal à ce foncteur. Égal, oui. égal. égal oui, égal exactement. En revanche, en revanche donc, euh, la conclusion, de, donc, ce qu'on veut, c'est que sous ces hypothèses, sous ces hypothèses, il existe ici un, un foncteur, euh, un foncteur évidemment additif, faire linéaire, Exact, euh, qui en fait va être nécessairement exact et fidèle, euh, tel que euh, les, les, les triangles qui sont ici sont commutatifs à isomorphisme près. Hein, C'est les deux triangles qui sont ici, sont commutatifs à isomorphisme près, et on veut que ce foncteur soit unique à isomorphisme près. Voilà, donc le théorème, la construction générale de Nori, c'est cette construction-là. L'objet, donc il existe une catégorie universelle euh, associée à la représentation T qu'on a choisie. Alors. Euh, Dans tout ça, on pourrait remplacer D par la catégorie qui l'engendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Cela dit, euh, donc c'est tout à fait vrai. Euh, cela dit, formellement, c'est pratique euh, de pouvoir considérer l'écart. Je vais d'ailleurs tout de suite, euh, et, enfin, on va le voir immédiatement, euh, parce que je veux quand même dire un mot de la, la construction de Nori lui-même. Hein, donc, euh, je veux donner quelques indications euh, sur euh, la démonstration. Hein, euh, je donne pas, euh, bien sûr, je ne donne pas la démonstration en entier, mais je veux quand même donner des, des indications sur le procédé de construction. Alors euh, donc il y a, en fait dans le procédé de construction il y a plusieurs étapes. La première étape c'est de considérer le cas où D, ou le Carquois D est fini. Alors voyez que si vous vous étiez euh, limité aux catégories, vous n'auriez pas pu prendre dans une catégorie des sous-catégories finies. En revanche, si vous avez des carquois, là il n'y a aucun problème pour prendre des sous ensembles finis à la fois de l'ensemble des objets et de l'ensemble des flèches. Alors, donc, euh, le premier cas, c'est quand, quand D est fini. Alors, euh, dans ce cas-là, euh, 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 Nori considère l'algèbre des endomorphismes de T. Donc, comme il n'y a qu'un nombre fini d'objets, et que l'image de chaque objet est un R module de type fini, bah, l'algèbre des endomorphismes de T, c'est aussi un R module de type fini. En tant que, que module sur R, hein? euh, et euh, bah, dans ce cas-là, euh, Nori montre euh, que on peut prendre pour CT euh, la catégorie des modules, euh, la catégorie des, des modules sur cette algèbre. Alors, les modules qui sont de type fini sur R. Autrement dit, les modules de type fini sur R munis d'une action de cette algèbre. Donc, cette catégorie-là répond à la question posée. Alors, une autre remarque qu'on peut faire, c'est que si on a deux diagrammes, deux carquois, D1 et D2, avec D1 inclus dans D2, eh bien, il euh, y a un foncteur euh, canonique qui va de CT1. Euh, donc, CT1, euh, ce que je prends pour T1, c'est la restriction de D à D1. Euh, et euh, ici, euh, la restriction de, de t à des 2 hein? Donc, euh, dans ce cas-là, il y a, y a, y a un, un, un foncteur canonique qui va de l'une vers l'autre. Et ça, euh, ça vous donne euh, euh, la construction dans le cas général. Hein? Euh, maintenant, vous prenez le, le cas général. Bon, alors, qu'est-ce que ça va être que ct ben, euh, La catégorie va être euh, définie euh, par limite inductive. Sur tous les sous-diagrammes des primes de D, tous les sous-diagrammes finis des primes de D, de la catégorie euh, CT' qui est déjà définie. Pardon Oui, exact, uh, oui, oui, absolument. Et tous ces foncteurs sont exacts. Oui, 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 tout à fait. Ils sont tous, euh, ils, sont, ils sont exacts. C'est un sort d'induction ou quoi C'est quoi que ce functeur C'est tensorisation par un bimodule que... Alors, le... oui, c'est une tensorisation, oui. Alors, il y a tout de même un cas où les choses peuvent être dites de manière beaucoup plus concrète. C'est le cas euh, euh, où euh, R est encore. Alors, si R est encore, euh, d'abord, si D est fini, ben vous avez que la catégorie des modules euh, sur 1 de R qui sont euh, de type fini, donc ici, ça veut dire de diman euh, sur 1 de T, pardon qui sont de, de dimension finie sur k, euh, ben, cette catégorie-là, elle est égale à la catégorie des comodules sur la coalgèbre duale. Se donner une structure de module sur cette algèbre, c'est la même chose que se donner une structure de comodule sur cette algèbre. Sur cette coalgèbre, pardon. Hein, qui est simplement l'espace le, vectoriel dual, le muni de la, la, la structure de coalgèbre. Et alors, dans ce cas-là, si on a D1 inclus dans D2, euh, l'avantage de passer au comodule, c'est qu'on a euh, une euh, flèche qui va dans le bon sens. Ce qui permet de former quelque chose qu'on va noter 1, euh, 2, do, donc en général hein, le, le, si D n'est plus fini, on peut tout de même former quelque chose qu'on va noter comme ça qui est simplement la limite inductive sur les D' finis contenus dans D euh, des euh, coalgèbres algèbres associés euh, associé, euh, 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 aux restrictions. Et alors, euh, dans ce cas-là, euh, la catégorie CT, eh euh, c'est simplement euh, la catégorie des co-modules sur cette coalgèbre, qui sont euh, de dimension finie sur le corps de base K. Donc voilà ce que, ce que Nori a démontré en, en général. Euh, euh, pour les donc, dans sa construction catégorique. Oui Tu peux dire en peu quel est le problème qui se passe si je ne prends pas des modules de tout fini euh, de euh, bien Si je m'intéresse à des théories cohomologiques euh, où j'aurai des espaces vectoriels de dimension infinie Alors, euh, non. Le, le, donc là, le, pour le voir, il faut rentrer dans les démonstrations, mais on a vraiment besoin euh, de bases, et on a besoin de, 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 que les... les euh, euh, disons si on considère les, les choses sur un corps, hein, par exemple, on voit qu'on a vraiment besoin que le, le dual du dual soit euh, l'espace de départ. Hein? Euh, oui, je pense. Euh, bah, on verra la, ensuite. La, la, donc, euh, je vais expliquer la construction de Caramelo, qui est complètement différente et qui elle euh, fait disparaître toutes les hypothèses de dimension. C'est-à-dire, ça n'apparaît plus. Au niveau à nous, tu peux enlever de terrien il est fini, j'imagine. Non, non. Non, non, on a vraiment besoin. Euh... Ouais, des, une hypothèse en plus de dimension globale finie, qui si doit faire d'habitualité, non Enfin. Bon. Je. Je suis pas. Je. je, Écoutez, je peux pas. C'est difficile de dire qu'une chose est impossible, mais en tout cas. Euh... Quand on regarde la construction de Nori et les arguments qui sont donnés, on utilise vraiment de manière essentielle le, les, les hypothèses de, de type fini. Vous hein. euh, que toute coalgèbre est limitée du type de coalgèbre de dimension finie Oui, absolument. Euh, donc là, euh, bon, on le voit pour cette coalgèbre-là. Euh, donc elle, elle est construite comme telle. Hein, mais, tout co mais toute coalgèbre, ce qui bien sûr n'est pas le cas d'une algèbre. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est la construction catégorique. Et euh, bien sûr, euh, euh, le propos de Nori, euh, c'est euh, d'appliquer ça euh, au schéma. Hein? Donc c'est maintenant ce que je vais expliquer. So, euh, donc, dans le cas général, on peut considérer NT comme un pro. Peut-être comme un pro-anneau, et prendre ça comme des modules oui. sur le pro-anneau, ce sera la même chose, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Action de la pro-anneau sur un, un, un module de type fini, au sens de pro-objet peut-être, ou au sens de... Bon. Vous en savez plus que moi. Donc, euh, moi, je, là, j'ai simplement recopié ce qu'on qu trouve dans nos riz, hein. Donc, le, Voilà. Euh, alors, donc, là, encore une fois, on est avec une construction de théorie catég des, des catégories, et euh, le propos de Norris est d'appliquer ça euh, euh, pour définir ou pour proposer une définition euh, de catégorie des motifs, hein, et même de, de motifs mixtes, en fait, c'est ce qu'il a en tête. Euh, alors, donc pour ça, évidemment, on a besoin d'un carquois d, euh, d ça doit être un carquois définie à partir des schémas. Alors on va voir euh, ce que, immédiatement ce que Nori choisit de faire. Euh, et puis euh, T, euh, donc la représentation euh, de ce Carquois, euh, doit être définie par un foncteur comologique. Euh, alors, euh, évidemment, le foncteur cohomologique est un coefficient dans un certain anneau R, ou euh, bon, un corps ou un anneau notérien. Et puis, euh, dans la, dans la chez Nori, on a vraiment besoin euh, de l'hypothèse euh, que les choses soient de type fini. Bon, et par ailleurs, euh, on, évidemment, on veut construire une catégorie des motifs qui soit euh, abélienne, c'est-à-dire Z linéaire ou, ou Q linéaire. Et pour cette raison. Euh, bah, évidemment, on voudrait prendre r égale z ou q, mais ici on se retrouve avec le problème de la qu'on qu a besoin d'une représentation euh, dans les, les modules ou les espaces vectoriels de type fini, et c'est la raison pour laquelle euh, Nori choisit le, le foncteur cohomologique de Betti. Hein, donc euh, chez Nori, le foncteur cohomologique qu'il prend, c'est le foncteur de Betti pour cette raison que je viens de dire. Euh, alors, euh, bon, euh, maintenant, il faut définir un carquois euh, 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 associé au schéma. Donc, euh, on va poser ça en définition. D'abord, on se donne un corps de base pour les schémas qu'on va considérer. Donc un corps de base k et comme on veut prendre la cohomologie de Betti, euh, il faut prendre un corps de base euh, contenu dans C. Alors euh, pour définir le carquois D, d'abord il faut préciser ce que sont les objets. Alors les objets ça va être des triplets où X est un schéma de type fini sur euh, k. Alors éventuellement on peut mettre des conditions restrictives comme par exemple la condition de licité, hein, mais euh, bon, là disons qu'on fait ça, schéma de type fini sur k. Euh, y, euh, c'est un sous-schéma fermé de x. Et euh, i c'est un entier euh, positif ou nul, qui va correspondre au, au degré de la comologie. Alors, je peux déjà dire euh, ce que c'est que la, la représentation T, appliquée à ces objets, ça va leur associer l'homologie. La la, en fait, lui, il prend l'homologie, euh, l'homologie de Betty, 2 euh, de degré I, euh, de X relativement à Y. C'est le foncteur qu'il a en tête. Regardez l'homologie relative. L'homologie, euh, il joue à, à dire Oui, absolument. Un coefficient dans Z ou dans Q. Euh, voilà, mais ça a déjà un sens dans Z. Euh, alors, faut aussi définir les flèches euh, du, du carquois. Alors, chez Nori, il y a deux types de flèches. D'abord, il y a les... Donc, euh, si on a un objet X... Euh, euh, pardon, c'est le contraire. Donc, Y plongé dans X. Et puis, Y' plongé dans X'. Bien sûr, il y a une notion de morphisme géométrique de tel diagramme. C'est simplement un carré commutatif de schéma comme ça. Et à euh, bon, bah, chaque fois qu'on a un, un tel carré commutatif, euh, euh, Noril lui associe formellement une flèche du carquois. Donc il y, y, y a des flèches du carquois qui sont indexées par ces carrés commutatifs. Et puis il euh, y a un autre type de flèches qui sont les flèches de bord. Hein, on sait que les, les suites, euh, euh, enfin que les cancomologies, euh, euh, qu euh, on a des flèches de bord. Alors les flèches de bord sont associées à quoi ben, C'est associé à des triplets euh, de schémas emboîtés les uns dans les autres. Alors, dans une telle situation, euh, pour chaque euh, tel euh, triplet de schéma emboîté, donc z plongé dans y plongé dans x, eh bien, euh, euh, Nori lui associe euh, formellement une flèche qui va de x, y, I dans le triplet y, z, i-1. Voilà, donc c'est euh, pour tout i euh, au moins égal à 1. Et alors, vous euh, voyez que ça, ça a un sens. Euh, Enfin, disons que le T est effectivement une représentation, c'est-à-dire l'homologie de Betty associe des homomorphismes aussi bien aux flèches de ce type, c'est-à-dire les flèches de fonctorialité, que les flèches de bord. Hein, donc c'est le choix que fait Nori. Et euh, bon, bah, il applique euh, le théorème précédent. Euh, donc à partir de ces données-là. Euh, il construit euh, une catégorie CT qui est abélienne, culinaire, munie d'un foncteur exact et fidèle vers les, euh, les Q espaces vectoriels de dimension finie, et euh, 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 telle que euh, l'homologie le, 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 de Betti se factorise à travers cette catégorie. Et donc, il, ce que dit Nori, hein, par exemple, vous pouvez regarder la vidéo de, de, de son exposé à l'IHES, il dit bon, ben voilà, c'est un candidat pour les motifs. Alors, euh, donc, euh, à l'appui de, de cette affirmation, euh, euh, enfin, de cette, euh, pro, de cette proposition de, de, de construction de Nori, on peut, on connaît aujourd'hui euh, des résultats. Euh, qui sont tout de même assez frappants. Alors, le premier ré résultat que je veux citer, c'est un, un théorème, théorème 3, qui est dû à euh, Joseph Ayoub et euh, euh, Lucas euh, Barberi-Viale. En fait, euh, quand euh, Luca m'a envoyé ce message-là où il posait ces questions, il venait d'écrire cet article avec Ayoub. Hein, et le, donc, il était euh, euh, vraiment euh, très intéressé euh, par euh, la construction de Nori. Donc, le théorème, c'est le suivant. C'est qu'on prend cette définition, là, la définition 2, euh, mais on la limite, euh, limitons le carquois des euh, ci-dessus au triplet X, y, i tel que alors il y a deux situations à envisager la première situation c'est on considère seulement i égale 0 on considère que l'homologie de degré 0 et la deuxième situation c'est on considère i égale 0 ou 1 donc on regarde seulement l'homologie de degré 0 ou l'homologie de degré 1 donc vous voyez, on a simplement, on ne prend pas tout le carquois que j'avais dit là, on prend un sous-carquois, en limitant euh, les, les ensembles d'objets. Alors, dans le cas euh, 0, il n'y a pas de bord. Euh, non, il n'y a pas de bord. Dans le cas 0, il n'y a pas de bord. En revanche, dans le cas 1, il y a un bord. Ben, quand vous considérez ça, il y a plusieurs variantes. Par exemple, le schéma fini, ça pourrait être des schémas exemple, séparés ou quasi-projets. Absolument, absolument. Il y a plusieurs variantes. Il y la non, même non. chose dans toutes les variantes ou est-ce que... Oui, le, donc on peut démontrer des, des propriétés comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous limitez au schéma lisse ou si vous prenez des, des, des schémas plus généraux, vous allez trouver des catégories équivalentes. Il y a de toute façon des foncteurs, hein, à cause de la propriété universelle qui caractérise les, les catégories CT, et vous pouvez démontrer que. Disons que cette définition a une, une stabilité assez grande. Voilà. Mais effectivement, quand on veut étudier la théorie de manière systématique, il faut voir la dépendance de la théorie par rapport au diagramme D. Et euh, la, la, la question de, la, de, de trouver quels sont les bons D euh, est vraiment une question importante. En particulier, euh, d'ailleurs, dans cet article-là, euh, 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 qui est, qu est une, la recherche des topos motiviques, c'est-à-dire la, la recherche d'un bon topos qui classifie... Euh, les, 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 propriétés, les théories cohomologiques. Bon, bah, dans, dans cette recherche-là, il y a en particulier la recherche d'un bon D. Bondé. Alors, euh, j'en parlerai, euh, si j'ai le temps, dans l'exposé 3. Euh, alors ici, voilà. Donc on prend le, le, le on limite ces diagrammes à ça. Et alors, le théorème de Ayoub et Barberi-Viale, c'est, c'est le suivant. Euh, donc il y a deux choses. Si vous prenez si vous imposez la condition i égale 0, alors ct, euh, eh bien, la, à équivalence près, c'est la catégorie des euh, zéro motifs d'artine sur spec de K. Donc c'est-à-dire la catégorie des faisceaux constructibles de Z, de Z métal, de, de Z modules, euh, sur SPEC k pour la topologie étale. Euh, la deuxième partie, donc ça c'est la, la, la partie euh, évidemment la, la plus élémentaire, et ensuite si vous prenez, si vous imposez la condition i au plus égale à 1, eh bien euh, vous trouvez pour ct la catégorie, des un, la catégorie abélienne des 1 motif de 2 lignes. Donc c'est une catégorie euh, qui consiste euh, euh, en... Euh, c'est des complexes de longueur 2 de schémas en groupe abélien, où euh, Z est une variété euh, semi-abélienne sur spec K, et euh, F est un euh, faisceau constructible de Z module de type fini. Euh, sur euh, spec K euh, muni de la topologie étale. Voilà, autrement dit, euh, dans ces deux situations, on trouve euh, vraiment le, le, le bon objet. Mais si vous, si vous admettez des torsions aussi Oui, absolument. On admet de la torsion. Dans ces cas, la catégorie, ce n'est pas exactement ces flèches, mais, mais dans la catégorie dérivée en quelque sorte, parce qu'on peut diviser par un truc fini dans le deux. Donc, ce n'est pas. Les flèches ne sont pas les flèches de, mo... de complexe, probablement, mais je ne sais pas. Parce que si on a les motifs usuels de Deligne, oui. où F est sans torsion, les morphismes sont des morphismes de complexe. Mais je pense que si, si vous admettez de. Je pense que. Le... Enfin, bon, je vous renvoie à l'article de Ayoub et barberi Vialet. Je pense que leur énoncé, c'est vraiment ça

Not of complexes, but in some derived. Écoutez, je vous renvoie à leur, euh, à leur article. Hein, le, le... Donc euh, voilà. Enfin, le... Bon, donc on a ces deux énoncés euh, avec une remarque qu'on peut faire euh, qui est assez. C'est la suivante, c'est que euh, voyez, vous êtes parti de l'homologie de Betty. Euh, donc vous pouvez dire euh, si on considère seulement l'homologie de Betty, il n'y a pas d'arithmétique dedans. Or en fait, ici, vous la retrouvez. C'est-à-dire l'arithmétique, en fait, elle est dans, la, dans le, le diagramme D de départ. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, voilà. Donc il y a ce théorème de, euh, de Ayoub et Barbieri vialet et puis il y a un autre théorème, disons, euh, qui lui, aussi, qui, qui est une autre illustration de l'intérêt de la construction de Nori. Euh, alors c'est un théorème qui euh, est énoncé pour la première fois dans un article de Kontsevich. Euh, je pense que, enfin, Kontsevich lui-même m'a dit qu'il avait parlé avec euh, Nori, qui était venu à l'IHES. Et puis, euh, bon, dans l'article de Konsevich, il n'y a, a, a pas tellement plus que l'énoncé. Donc pour la démonstration, euh, c'est un texte. Enfin, ça a été fait beaucoup plus récemment par euh, Annette euh, Huber. Et euh, son collaborateur qui s'appelle euh, Muller-Star, je crois. Alors, le théorème, c'est le suivant c'est euh, vous prenez, euh, vous partez de cette catégorie, euh, de ce diagramme euh, CT, on part de CT, euh, et puis, euh, bon, pour être précis, on, on inverse formellement. Le la multiplication par le motif de l'Efschetz euh, donc le motif de l'Efschetz c'est quoi c'est le triplet gm euh, 1 avec le degré 1 donc on inverse formellement la multiplication par ça et euh, donc c'est à dire qu'on par rapport au, au, au carquois de D dont on était parti on a un carquois plus riche où il y a davantage de flèches voilà, donc on fait ça et euh, donc, ici, l'assertion, c'est la suivante c'est que, euh, vous en fait, de, donc une fois qu'on a fait ça, euh, c'était et se trouve muni non seulement d'une structure de, de, de catégorie abélienne, mais même de catégorie tanakienne, et sur lequel l'homologie de Betty est un foncteur fibre. Et donc, vous avez un groupe de Galois motiviques associés. Est, euh, parfaitement bien défini. Bon d'autre part, euh, avec les, euh, les notations de ces auteurs, vous avez quelque chose euh, que vous avez euh, P, qui est l'algèbre, alors une énorme algèbre, euh, des périodes formelles euh, de Kontsevich et Zagier. Et euh, bon, ça a un sens de regarder le, ceci géométriquement, de regarder son spectre. Et donc le théorème, c'est que ceci est un torseur, le, le spectre de cette algèbre est un torseur sur le groupe motivique associé au motif de Nori. Donc là encore, c'est une illustration euh, du fait que les, euh, les, les, les motifs de Nori ont euh, vraiment un contenu arithmétique. Euh, euh, très profond. C'est un genre, voilà, d'un de réalisation vers les complexes. Oui, oui, oui. On dit un point de ce point particulier de ce spectre de complexe. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, parce que les périodes, on peut, le... oui, on peut le... euh, euh, Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais euh, rappeler euh, sur la, la, la construction de de Norris. Alors, euh, donc c'est la fin du, du paragraphe 1. Euh, et euh, maintenant, je passe au, au paragraphe 2. Le produit dans cette catégorie-là, il, il, il est vraiment compliqué, hein Oui, parce que le. Oui. Euh, 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 oui, parce que le problème, c'est quand on a deux objets x, y, i et x', y', i', évidemment, on aimerait bien définir leur produit comme euh, x fois x', y fois y', i plus i'. Le problème, c'est que ce n'est pas la formule de Lefschetz. <laughs> Donc, pour cette raison, il va falloir montrer qu'on peut restreindre le diagramme D à des triplets x, y, i, tels que l'homologie relative de x relativement à y est concentrée en le degré i. Voilà. Donc euh, techniquement, c'est assez compliqué. Et euh, donc là, je ferai peut-être un, un commentaire d'ailleurs là-dessus tout à l'heure, euh, euh, avec la, la, la construction de Caramelo. Euh, voilà, donc c'est le paragraphe 2. Alors, euh, bon, c'est plutôt réinterprétation. Euh, voilà. Donc, euh, euh, alors, euh, donc dans, dans ce paragraphe, il, va y avoir, euh, il y a des énoncés auxquels on va arriver, c'est-à-dire on va construire une catégorie qui, voyez, qui, est, qui, est, qui est caractérisée par une certaine propriété universelle. Et puis, euh, le, bon, vous verrez à la fin, il y aura deux théorèmes importants ce théorème d'existence et puis euh, euh, un théorème qui étudie la dépendance par rapport au foncteur T qu'on choisit en fait les deux théorèmes sont à mon avis également importants, euh, mais en fait, euh, euh, tout aussi importante est la construction elle-même, le procédé de construction. Alors ici, euh, je me trouve devant la, la, la situation où ce procédé de construction est à la fois euh, euh, très élémentaire pour tes catégoriciens, c'est-à-dire que ça utilise une sorte de bas euh, de la théorie des topos classifiants, et pour les géomètres algébristes, euh, c'est euh, quelque chose que la, 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 la plupart ne connaissent pas du tout et que moi-même j'ignorais complètement euh, encore il y a quelques années. Donc euh, je m'adresse euh, aux géomètres algébristes euh, et euh, en essayant d'expliquer de, 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 euh, euh, ces, ces choses qui pour eux sont, sont nouvelles, mais qui euh, pour euh, des catégoriciens sont vraiment très élémentaires. Alors. Euh, donc, je vais, je, vais expliquer, je vais présenter le procédé de construction et ensuite je donnerai les propriétés de des, des objets qu'on construit de cette manière-là. Donc, d'abord, évidemment, il faut un point de départ de la construction. Alors, le point de départ, ben, il est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un carquois D et une représentation dans les R modules. Alors, ici, R est un anneau arbitraire, un anneau commutatif hein, il n'y a plus d'hypothèse ne et ici, on prend les modules, euh, qu'ils soient euh, de type fini ou pas. Il n'y a aucune hypothèse de taille non plus. Hein? Donc, il euh, n'y a, a d'hypothèse ni sur R, ni sur le type de module qu'on considère. Est-ce qu'on pourrait remplacer un mot par n'importe quelle catégorie euh... Euh, Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, euh, pas du tout de manière triviale. Parce qu'on va le voir immédiatement. Alors. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, pour la construction, il y a plusieurs étapes. Donc je vais énumérer ces étapes. L'étape 1, euh, je dis tout de suite que en fait, c'est la plus importante. Alors l'étape 1, ça consiste à faire la chose suivante. On part de la représentation t et on va lui associer une théorie. On va appeler la, donc la théorie euh, régulière de T. Hein, donc on va noter ça euh, avec un T double barre, éventuellement avec un, 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 le, la représentation en indice, hein, ou bien euh, peut-être que j'oublierai l'indice hein, ça sera la théorie du modèle. Donc vous voyez qu'en euh, mathématiques, on a l'habitude de faire l'inverse, c'est-à-dire. On a une théorie définie par des axiomes, et ensuite on considère les objets qui vérifient ces axiomes. Et là, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on part d'un objet, qui est la représentation qui est donnée au départ, et on va lui associer une théorie. Donc une théorie, c'est un ensemble d'axiomes, c'est-à-dire un ensemble de propriétés. Ce qu'on va mettre comme axiome, c'est toutes les propriétés vérifiées par la représentation. Donc théorie, c'est pour voir. Alors, je, je vais expliquer. Je, bien sûr, je, je, je vais le faire. Hein, je vais dire euh, en termes précis ce que c'est. Alors là, pour ceux qui connaissent, peut-être pour euh, Gaber qui connaît tout euh, en particulier. Euh, donc le, 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 le terme régulier, c'est le, le, enfin le terme euh, plus précis. Ça serait, on va associer à T sa théorie dans euh, ce qui s'appelle le fragment régulier. De la logique du premier ordre. Non, mais on sait toujours qu'il y a des, des petits variantes dans l'ouvrage sur la logique. Par exemple, la théorie du premier ordre, ça pourrait être en plusieurs sortes. Et dans voilà. certains livres, donc, on n'admet pas les mots. Donc je vais. Je vais D'accord, donc je vais, préciser, je vais préciser tout de suite. Alors, donc une théorie, ça consiste en un langage, et les logiciens, ils, habituellement, ils ne disent pas langage, ils disent signature, un langage et des axiomes. Hein alors, d'abord. Et un ou euh, euh, Non, je pense que c'est boulet. Hein. Pas, euh, non, non, le, mais de toute façon, je vais préciser exactement. Hein. Euh, alors, donc, langage, d'abord, hein, ou euh, signature. Hein, J'introduis le mot parce que. Euh, bon, il y, y a quand même des gens ici qui connaissent hein, de la logique. Donc, euh, langage ou signature, donc on va la noter L, comme ça. Euh, alors, de... Donc, je vais dire ce que c'est. Alors, ce langage, il va consister d'abord en des sortes. Alors ça, c'est un, un mot de, de logicien. Qu'est-ce que ça veut dire Les sortes, ça veut dire des noms d'objets. Autrement dit, ensuite, ça va permettre de, de... Bon, on va vouloir considérer les modèles. De cette théorie dans des catégories. Et là, ça voudra dire considérer des objets de la catégorie indexés par les sortes. Hein, par exemple, quand vous dites, je sais pas, la théorie des groupes, vous dites soit G un groupe, donc là, vous avez une sorte qui est G. Voilà, qui va vous permettre de nommer l'objet que vous allez considérer. Voilà, donc sorte égale non-objets. Alors les sortes, elles vont être indexées par euh, les objets du carquois D. A, on choisit une sorte par objet de D. C'est plutôt des, normes, des, d des, normes... des noms de types d'objets ou des noms... Non, de, c'est des noms d'objets. C'est-à-dire qu'ensuite, un modèle, un modèle, ça va consister en une collection d'objets, disons, grand thème indice petit d, où petit d décrit l'ensemble des objets de D. Puis ensuite, il va y avoir de, des structures supplémentaires sur cette collection d'objets. voyez que la, la, la représentation T elle-même, elle associe à chaque objet de D un R module. Donc on a euh, un R module pour chaque objet de D. Donc là, on s'offre la possibilité de faire ça dans n'importe quelle catégorie. Euh... Ah ok, confuse the voilà. elements of the model. And... Okay. Voilà. Hein, là, je ne parle pas des modèles, je... mais les modèles ensuite vont consister en des objets, des flèches, etc. Et toutes ces choses-là ont besoin d'être nommées. Donc ce qu'on introduit dans le langage, c'est les noms. On peut utiliser pour définir ces objets, pour définir ces modèles. Alors, donc ça c'est les, euh, voilà. Donc d'abord, veux une sorte par objet de D. Ensuite, il y a ce qu donc dans le langage des symboles de fonction. Alors, euh, donc ça veut dire quoi Bah ben là, c'est des noms de flèches. Hein, quand on va euh, considérer les modèles de, ces, de, de cette théorie dans une catégorie. Ben on, voit, on voudra nommer les flèches, et donc nommer à partir des noms de flèches. Donc on appelle ça des symboles de fonction que je vais euh, introduire euh, tout de suite. Alors ici il y a, faut faire attention parce qu'il y a plusieurs familles de symboles de fonction. Euh, D'abord on en veut un pour chaque flèche de D. Pour chaque flèche du, car, du, du carquois D, j'introduis un symbole de fonction. Autrement dit, un nom de flèche. Euh, euh, ensuite, j'en introduis un pour chaque objet D. Alors, qu'est-ce que c'est que, ce, que ce symbole de fonction associé à chaque D Alors, il faut voir, quand, quand je dis symbole de fonction. Ensuite, les flèches elles peuvent être définies sur des objets ou sur des produits d'objets. Donc là, euh, euh, le symbole de fonction, il va aller... Euh, donc ça, il faut le comprendre comme D fois D vers D. Et qu'est-ce que qu'il va servir à modéliser Il va servir à modéliser l'addition dans l'objet indexé par D. La loi d'addition. Je veux une flèche pour chaque objet MD, indexé par un objet de D. Je veux mettre sur MD une loi d'addition. Je veux pouvoir le faire. Donc, pour ça, je me donne un nom de fonction, un symbole de fonction, comme disent les logiciens, euh, qui va servir à nommer la loi d'addition sur cet objet. C'est-à-dire une flèche qui va aller de MD fois MD dans MD. Hein, parce que j'ai besoin d'une stru structure linéaire. Hein, je, là, je suis en train d'essayer de, 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 de formaliser, en termes rigoureux, la notion de structure linéaire sur les objets que je vais regarder. Alors, euh, donc il y a ça, et puis euh, sur les objets, il n'y a pas seulement l'addition, il y a aussi la multiplication par les scalaires. Donc il me faut aussi un symbole de fonction pour chaque paire constitué d'un objet de D et d'un élément de la R de coefficient. Donc ça, ça va symboliser, ça va servir à nommer quoi Ça va servir à nommer la multiplication par R. Par A, la multiplication par A dans l'objet indexé par D. Hein, donc, ça, ça, voilà. donc là, on, a, on aura à la fois l'addition et la loi euh, et euh, la, la structure linéaire, la multiplication par les scalaires. Et puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, ce qu'on appelle un symbole de constante, donc c'est un cas particulier de symbole de fonction, quand la source et euh, euh, la, 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 la famille de sortes euh, vide. Donc ça, ça veut dire quoi ça, ça va servir à... Donc c'est un symbole de constante. Symbole de constante. Euh, pour chaque... Encore une fois, pour chaque euh, objet de D. Et ça va servir à, à désigner quoi Ça va servir à désigner l'élément 0 dans l'objet indexé par D. Hein, donc, on peut l'appeler 0, euh, là c'était plus, et puis là c'était la multiplication par a. Voilà. Hein, donc, euh, là, on se donne un langage où il y a à la fois des noms d'objets et des noms de flèches qui vont servir à euh, modéliser la structure linéaire. Euh, voilà, donc ici vous avez, euh, euh, vous avez le, le langage, j'ai terminé avec le, le langage que je veux. Une chose que vous pouvez remarquer, c'est que le langage, hein, la signature de la théorie, euh, ne dépend pas de la représentation T. Il ne dépend que du carquois hein, D. Donc, ça, c'est important. Il ne dépend que de D. Hein, C'est-à-dire, si vous vous donnez deux représentations, par exemple deux foncteurs cohomologiques différents. Sur euh, la, le même carquois euh, de constitué de schéma, euh, eh bien le langage de la théorie ici va être le même. En revanche, la théorie elle-même, c'est-à-dire euh, les axiomes qu'on va mettre pour définir la théorie, va dépendre de la représentation T. alors, euh, donc ensuite, pour définir la théorie, euh, il faut euh, donc choisir des axiomes. les axiomes vont consister toujours en des implications. Euh, donc, c'est une famille d'implications entre des formules euh, euh, exprimées dans le langage. alors, il faut préciser ce qu'on entend par formule. alors, ceci se fait en plusieurs étapes. alors, euh, la première étape, ça consiste à regarder, ce qu'on appelle les termes du langage. Hein, donc là, les mots que j'introduis, c'est des, des mots de logicien. Donc, euh, pour les logiciens, je suis en train de dire des choses triviales, pour les géomètres algébristes, euh, pour au moins ben, un certain nombre d'entre eux, c'est, euh, je sais que c'est nouveau, euh, en tout cas, ça l'était pour moi. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que les termes de L euh, Alors, ça peut être... Donc, des, ça consiste en des familles finies, de variables. Alors qu'on peut noter comme ça, hein, donc c'est une famille de variables, euh, fin, famille finie de variables, euh, 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 et où euh, chaque variable euh, où chaque variable est associée à une sorte. Bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs variables associées à la même sorte. Hein, donc, euh, le, si vous voulez le, vous représenter cette chose-là, euh, les sortes vont servir à nommer des objets, et euh, les variables, euh, vous pouvez les voir, par exemple, si, si vos objets sont des ensembles, euh, les variables, vous les voyez comme des, des éléments variables des, des ensembles en question. Sauf que les, les, les formules qu'on va écrire vont prendre un sens dans n'importe quelle catégorie. Donc, famille finie de variables. Où, euh, puis ensuite il y a les, euh, les fonctions, les, enfin les, c'est-à-dire les symboles de fonctions en C variables. Hein, donc si vous avez un symbole de fonction qui est défini sur un. qui correspond à un, un produit d'objets, donc indexé par un produit de nom, ben le symbole de fonction, vous pouvez le voir comme euh, des fonctions en C variables. Hein, pour le moment, on est en train de faire des choses purement formelles. Et puis, euh, ce que vous pouvez faire aussi, éventuellement, c'est composer les fonctions. Hein, C'est-à-dire, vos fonctions sont des fonctions en, en, en un certain nombre de variables, et elles prennent leurs valeurs dans quelque chose. Et les valeurs, elles-mêmes, vous pouvez les voir comme une variable, donc vous pouvez substituer. Hein? Donc ici, on s'autorise des substitutions. C'est-à-dire des compositions. En gros, c'est un opérateur. Voilà. Est-ce qu'on suppose que toutes les variables apparaissent dans la formule finale, ou est-ce qu'on peut avoir des variables qui sont superflues dans le? Bah, c'est-à-dire, on peut avoir des, par exemple, des répétitions de variables. Le, le, on a besoin, en fait, si on veut être rigoureux, on doit se donner au départ, à, en quelque sorte, une un ensemble, une collection de variables, un ensemble de variables assez grand, dans lequel on va pouvoir écrire toutes les formules dont on a besoin. Donc, so, I understand que un terme est une expression faite par telles règles. Oui. Et donc, à ce que j'ai compris, chaque variable est en fait un terme dans votre convention. Oui, need absolument. Et, de plus, chaque variable est un terme et chaque ensemble fini de variables est un terme. Et maintenant, quand on substitue. Non, est-ce que chaque ensemble fini de variables est un terme ou seulement une variable est un terme ah, euh, non, non, vous avez raison, c'est seulement une variable est un terme, ou bien. Euh, le, le, non, non, vous avez raison. Euh, donc, euh, le, simplement, ce qu'on veut autoriser, c'est évidemment des symboles de fonctions en plusieurs variables, mais dont l'image, elle, est une seule variable. Ça. Et aussi, va, va, un constant est un terme. Est Et le... la constante est un terme. OK. Mais est-ce qu'on autorise d'avoir dans un terme so, Si vous avez un terme, il y a certaines variables qui, qui sont effectivement dans le terme et il y a peut-être d'autres. Est-ce qu'on on admet seulement, on prend seulement la famille minimale, c'est-à-dire qui, qui sont vraiment dans le terme Par exemple, si vous avez x plus y, les, les variables sont x et y ou x, y et z Non, ça pourrait être aussi. Euh, euh, non, non, vous, vous pouvez autoriser, c'est-à-dire chaque, en fait, si on veut être rigoureux, chaque, chaque terme va être dans un certain contexte. Et le contexte le, 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 consiste en un nombre fini de variables, c'est-à-dire qu'on va regarder la fonction comme définie sur un. Donc, sématiquement ça sera défini sur un certain produit. Vous voyez, on veut s'autoriser à pouvoir, euh, à, par exemple, avoir une fonction de seulement deux variables. Euh, défini sur un produit euh, de, de, de n facteurs euh, correspondant à n variables. Bon, mais je reprendrai ça. Pour le moment, ce que je veux faire, c'est. Je veux introduire les choses, disons, de manière euh, un peu euh, intermédiaire entre. Euh, je, je, je voudrais être compris. Donc, pour cette raison, je ne suis pas parfaitement rigoureux. Mais je, je reprendrai ça dans l'exposé 2. Euh, La. Le, le, voilà, donc je veux aller dans le sens de, de, de la définition formelle, hein, mais, mais de manière un peu imagée, pour que les, les personnes qui ne connaissent pas la logique comprennent. Euh, alors, donc ensuite, après les termes, il y a ce qu'on appelle les formules atomiques. Euh, alors, c'est quoi C'est les termes. Euh, plus euh, les relations d'égalité. Vous voyez, jusqu'ici, on n'avait que, euh, que des fonctions, mais ici, on introduit quelque chose d'autre qui est une relation d'égalité. Alors, une, relati une relation, de manière générale, c'est quelque chose qu'on pense comme un sous-objet dans un produit. Donc là, la relation d'égalité, c'est simplement la diagonale dans le carré de quelque chose. Hein, donc, relation d'égalité entre variables. Vous avez un produit de deux facteurs identiques avec deux variables différentes, et la relation d'égalité, c'est demander que les deux variables soient égales. Hein euh, entre variables ou entre termes euh, de même sorte. Hein, bien sûr, quand vous avez des termes, donc ils sont à valeur dans, de, dans certains, certaines sortes, et pour pouvoir parler d'égalité, il faut que les sortes soient les mêmes. Alors, euh, l'étape suivante, c'est de regarder. Est-ce que les combinaisons pour les n de ces relations sont des formules atomiques ou pas des formules atomiques À fond. Est-ce que les. x y z x Non, donc pour le moment, c'est. Non. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Euh, donc, on va appeler les formules régulières. Alors les formules régulières sont déduites des formules atomiques euh, en ajoutant les choses suivantes. Alors euh, d'abord vous, avez, vous, avez, vous allez rajouter quelque chose que vous appelez la formule de vérité. Alors les formules définissent toujours des sous-objets dans un objet composé d'un produit. Donc la formule de vérité désigne toujours le, le, le sous-objet euh, qui, qui est égal au tout. Alors bon, la formule de vérité dans le langage de la logique est normalement notée comme ça. Ici, ça peut embêtant parce que T est aussi la, notre présentation. Mais bon, euh, voilà. Et alors on autorise euh, des combinaisons avec donc combinaisons. Avec les conjonctions, donc c'était la question d'offert. Alors les conjonctions finitaires, c'est-à-dire les conjonctions binaires ou les conjonctions d'un nombre fini de, de formules, d'une part. Euh, et puis euh, on autorise également les combinaisons avec le quantificateur existentiel en une partie des variables. Alors, quand on va vouloir euh, euh, considérer euh, euh, c'est-à-dire interpréter euh, rega regarder les modèles dans des catégories, évidemment les conjonctions euh, finitaires vont, vont euh, s'interpréter comme des intersections de sous-objets. Et euh, les, les quantificateurs existentiels vont s'interpréter comme des images par projection. C'est-à-dire que vous avez euh, des formules qui sont, euh, donc euh, quand vous interprétez sémantiquement, ça va être des, des flèches définies sur un produit. Ces flèches, euh, ces formules euh, définissent des sous-objets. Et le quantificateur existentiel en une partie des variables, ça consiste à regarder la projection de ce produit où on oublie certains des facteurs et on regarde l'image de notre sous-objet. Voilà. Donc ça, c'est des formules régulières. Et puis le, le dernier terme dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle les séquents réguliers. Alors les séquents réguliers, ben ça consiste en des, des implications. Entre formules. Donc les, les logiciens notent les implications de cette manière-là, hein, par ce symbole. Ici, phi et psi sont deux formules régulières. Hein, donc ceci signifie implication. Et ici, phi et psi c'est deux formules régulières, au sens qu'on a dit. Dans le même ensemble de variables. Oui, absolument. Donc c'est pour ça qu'ici on note en indice le x flèche. Donc, ça veut dire qu'on est en train de considérer deux formules en les mêmes variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Considérer une formule en des variables, ça veut dire. Donc, cette famille de variables, il lui correspond à un produit d'objet. Maintenant, la formule elle-même définit un sous-objet. Et euh, interpréter cette implication, ça veut dire simplement qu'on qu demande, on va demander, que le sous-objet défini par phi est contenu dans le sous-objet défini par psi. C'est ça ce que ça vouloir, va vouloir dire. Donc voilà, ici on a défini tout ce dont on a besoin euh, pour euh, 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 définir notre, euh, la, la théorie régulière de T. Alors voyez, là, maintenant, bon là j'ai donné une définition générale de la théorie régulière. Euh, euh, oui, donc, donc quand même, euh, 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 qu'est-ce que c'est qu'une théorie régulière ben, Ça consiste à décider... Qu'un certain nombre de séquents réguliers sont des axiomes de la théorie. Une théorie est définie en disant que tel, tel, tel et tel séquents réguliers sont des axiomes. Alors, ça permet de poser la définition suivante. Non, euh, c'est pas que donc c'est-à-dire euh, euh, non il y a. Bien sûr, dans la logique du premier ordre, vous pouvez envisager les négations, mais pas dans la, pas dans la logique régulière. C'est-à-dire que les négations n'appartiennent pas au fragment régulier de la logique du premier ordre. Et donc, ici, la théorie régulière de, de, de la représentation T, qu'on va tout de suite définir, euh, ne s'exprime absolument pas en termes de négation. Autrement dit, dedans, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de signes différents, il y a uniquement des égalités. Hein, donc voilà quelle est la, la définition. Donc je pense que c'est l'énoncé 5. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la théorie régulière de la représentation T Donc elle est écrite dans le langage L. Hein, on a fait remarquer que ce langage, lui, ne dépend du, que du Carquois. Et elle est définie de la manière suivante. On dit qu'un séquent régulier... Euh, un séquent régulier donc ceci est un séquent régulier hein, au sens qu'on vient de dire est un axiome donc, est un axiome de cette théorie donc le langage contient aussi les, les symboles logiques pour les opérations bouléales et les quantificateurs et tout donc c'est Ici, il y a seulement dans le langage lui-même. Vous voyez que vous avez seulement le quantificateur existentiel et l'intersection. Vous n'avez pas, par exemple, de, 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 de quantificateur universel. Donc, encore une fois, on limite, on dit très précisément le type de formule qu'on autorise. Alors, il faut, faut comprendre à quoi ça correspond. Hein, donc se donner des familles de variables, ça veut dire considérer des produits. Maintenant, les symboles de fonctions, ça consiste à considérer des, des, des fonctions euh, là-dessus, des flèches là-dessus. Mais voyez qu'on s'est autorisé, donc les flèches associées aux éléments, de, aux flèches de D, ainsi que l'addition, la multiplication par les scalaires, et les compositions. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on regarde, on va interpréter ça dans les, les espaces vectoriels ou dans les R-modules, de manière générale, et ce qu'on regarde, c'est quoi C'est les flèches associées à D, les flèches, les homomorphismes entre R-modules associés aux flèches de D, leurs composés, puis leurs combinaisons linéaires. Voilà ce qu'on regarde concrètement. C'est-à-dire la catégorie <laughs> et les actions... Oui, euh, le, le, la catégorie R-linéaire engendrée. Hein, on regarde ça. Là, là... Mais attention. Là, là, euh... Bon, donc je vais quand même terminer l'énoncé, ensuite j'explique. Donc on dit qu'un qu tel séquent régulier est un axiome de t, si et seulement si, euh, il est vérifié par la représentation t de d dans les R modules. Alors qu'est-ce que ça veut dire Considérer un tel séquent. Donc on a, on a un ensemble fini de variables x. Donc ces ensembles cet ensemble fini de variables, enfin les variables dans cet ensemble, sont associées à des sortes. Les sortes sont des objets de D. Donc chaque, à chaque objet de D est associé à un R-module. Prendre la famille de variables, ça veut dire considérer le produit de ces R-modules. D'accord Maintenant, euh, sur ce produit de r module, on a deux formules. Chaque formule est définie par euh, une collection. Euh, euh, chaque, chaque formule est définie par, euh, à partir des flèches de D, on regarde leurs images dans la catégorie des R modules, puis on les compose, on prend leur combinaison linéaire. Et regarder la, la formule, ça veut dire euh, regarder euh, le sous-objet qu'elle définit. Et donc, cette condition-là, c'est dire que le sous-objet défini par phi est contenu dans le sous-objet défini par psi. Vous hein, voyez que ces deux sous-objets sont des sous-objets du même objet produit, qui, puisque les deux formules sont écrites dans les mêmes variables. Est-ce que ce symbole que vous avez dessiné ici avec, pour l'implication, ça, ça fait partie de votre langage ou c'est un autre chose Parce il y a de... Non, il n'est pas Vous voyez que formellement, il n'est pas dans L. C'est qu'on distingue vraiment entre les formules et les séquents. Ah, c'est dans le métalangage. Voilà, c'est voilà, exactement. C'est un métalangage. Il n'est pas dans L. Vous hein, voyez, ce qui existe dans L, c'est, euh, euh, on a dit, les, les, bon, les, les, les sortes, les symboles de fonction, ensuite les termes, les formules atomiques, les formules régulières. Tout ça, c'est dans L. Et puis ensuite. Voilà, il n'y a pas d'implication. Et en particulier, de, donc des implications internes, donc ça a un sens dans la logique du premier ordre, mais ici, dans la logique, du premier, du, de, de, la logique euh, euh, régulière, il y en a pas. Hein? Encore une fois, on a, on a mis les symboles conjonction et quantificateur existentiel et rien d'autre, pas d'implication. Ah donc, so it's another type of uh, system of conventions than the first order because implication. Oui, non non, ça, ça fait partie de la logique du premier ordre, mais c'est plus restreint. C'est encore une fois, c'est des formules d'un type très particulier. But in first as far as I know, in first order logic you have propositional uh, operations and quantifiers and you have all the formulas are obtained from this and here you you have this implication which you don't put as a, as oui, a proposition. Oui. For... L'implication ne fait pas partie de elle. Okay, so it it is another type of convention. Oui. It's not oui. exactly. Voilà. Mais je dis en tout cas ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire je considère qu'une telle implication entre deux formules est un axiome de la théorie, si et seulement si, quand j'interprète ces formules par la représentation T, alors le sous-objet défini par la première est contenu dans le sous-objet défini par la seconde. Et c'est ça que j'appelle, ou c'est ça qu'Olivia appelle plutôt, la théorie de la représentation T. Est-ce que c'est ce sentiment qu ça en pensant, ce symbole pour un symbole d'implication et dans l'interprétation, en fait, on, on met des symboles, euh, quel que soit pour toutes les variables, en fait, qui sont libres, pour lesquelles il euh, n'y a pas de. de oui, c'est ça, c'est ça, implicitement. il y a des, un pour Je propose qu'on fasse une pause là, là. Le, le x ici, en fait, c'est implicitement un quantificateur universel sur toutes les variables considérées. On fait 10 minutes de pause. Bon. Euh, donc je, voilà, donc on a terminé avec l'étape 1. Donc l'étape 1, ça a consisté, je le rappelle, partant de la représentation T, à lui associer sa théorie régulière. Voilà, donc maintenant on a une théorie euh, du premier ordre, euh, qui en fait est ce qu'on appelle une théorie régulière. Ça veut dire que tous ces axiomes sont des séquents réguliers. Et alors, l'étape suivante... Ça va consister. Euh, donc, en fait, l'étape suivante, c'est une construction tout à fait standard. C'est une construction tout à fait standard euh, de la théorie des topos classifiants, euh, ou plus exactement, une variante euh, d'une construction standard. Euh, donc, ça consiste à associer à cette euh, théorie régulière ce qu'on appelle. Donc, donc, on va lui associer une catégorie donc euh, définie par des objets et des flèches, hein. une, donc, euh, ce qu'on appelle la catégorie syntactique régulière de la théorie. Voilà, hein, donc voyez les étapes. Hein. D'abord, on associe à t une théorie, ensuite, on associe à la théorie une catégorie. Alors, euh, donc c'est une euh, définition. Il faut définir cette catégorie. Alors, évidemment, une catégorie, c'est défini par des objets et des flèches. Il faut dire ce que sont les objets. Hein, donc, là, c'est la définition de cette catégorie syntactique régulière. Alors, les objets, eh bien, euh, par définition, c'est les formules. Les, alors, pas, pas n'importe quelle formule, les formules régulières. Phi écrite évidemment chaque formule est écrite en, un, en, une, en, un, en une suite finie de, de variables et alors quand je dis ça euh, bien sûr vous, on peut penser que quand on a une formule on peut toujours remplacer renommer les variables donc quand on a deux formules qui sont identiques à juste par à substitution près des variables on les considère comme équivalentes donc les objets ce sont les formules régulières à équivalence près L'équivalence voulant dire simplement l'échange les, les, les de variables. Et si on ajoute des variables superflues, ça donne la même formule ou pas Vous avez dit qu'on peut ajouter, ajouter des variables qui n'interviennent pas dans le terme. Est-ce que ça, ça donne la même formule Non. Non. Non, non. C est, c est, ça donne une... Non, non, c'est quelque chose de différent. Et la formule de vérité, c'est dans l'ensemble V de variables ou dans l'ensemble. Quelconque de euh, Je pense que c'est dans l'ensemble vide de variables. Alors, donc les objets sont les formules régulières. Hein, donc concrètement, c'est simplement des, des, des suites de symboles. Alors, et les morphismes Alors évidemment, les morphismes, ça doit aller d'une formule écrit dans des variables X, vers une formule écrite dans des variables Y. Alors, euh, comme on a, on a, on a dit qu'on prenait les formules à, à équivalence près, hein, on a le droit de, 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 de changer les, les noms des variables, on peut supposer, hein, on suppose ici que les deux ensembles de variables sont disjoints. On peut toujours faire ça, quitte à renommer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un morphisme d'une formule phi écrite dans les variables x dans la formule psi écrite dans les variables y et eh bien par définition un morphisme c'est une classe d'équivalence de formules de formules régulières θ en les deux variables Okay, C'est que, quelque chose que, sémantiquement, vous allez pouvoir interpréter comme un graphe. Alors, formule régulière, mais alors attention, euh, de formules régulières qui sont démontrablement fonctionnelles. Alors, je vais dire tout de suite ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire justement, c'est que donc le fait d'être démontrablement fonctionnel, c'est quelque chose qui est, qui est défini par la théorie et qui va impliquer que quand j'interprète la formule, justement, elle définit un graphe. Alors, qu qu'est-ce qu que ça signifie, démontrablement fonctionnel Ça signifie que les séquences suivantes, il y a trois séquences, sont démontrables dans la théorie. Alors, le premier séquence, c'est que θ en donc la paire de variables x, y, Implique phi et psi. Hein, donc, euh, voilà, la projection euh, s'envoie euh, dans euh, le sous-objet défini par phi que multiplie le sous-objet défini par psi. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, en la variable euh, x, c'est le fait qu'il existe un y tel que la propriété θ soit vérifiée. Autrement dit, si vous avez quelque chose au départ, et eh bien, ce quelque chose a une image. Parce que dans le graphe, vous pouvez trouver un élément. Hein, c'est l'existence, pour le moment, d'au moins une image. Donc, ça, c'est le deuxième séquence. Et puis, le troisième séquence, c'est le fait que cette image est unique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on regarde θ de x, y et θ de x, y', donc ici, on a choisi un ensemble de variables y' qui est simplement les variables y, mais renommées on leur a donné d'autres noms. Ceci implique, hein, donc c'est en les trois variables x, en les trois paquets de variables x, y et y prime, ça implique nécessairement que le paquet de variables y est égal au paquet de variables y Donc c'est le fait qu'il y a une seule image. Ça c'est l'existence quand on regarde un élément de la source, et bien il a dans le graphe il y a un élément au-dessus de lui, au moins un, et puis là il y en a un seul. Donc c'est quelque chose quand ensuite je, on va interpréter une telle formule nécessairement on va définir un graphe. Donc ça c'est... Alors j'ai dit, donc ici j'ai expliqué ce que veut dire démontrablement fonctionnel. Et équivalent, qu'est-ce que ça veut dire que deux formules sont équivalentes ben Ça veut dire, si on a deux formules θ et θ', dire qu'elles sont équivalentes, c'est dire que θ implique θ' et θ' implique θ sont démontrables dans la théorie. Alors ce qu'on entend par démontrable dans la théorie... Ça veut dire que ça se déduit des axiomes par les règles habituelles d'inférence du, du métalangage. Donc, il faudrait préciser quelles sont ces règles. Mais le, pour calcul ce, secants, calcul. le calcul des séquences. C'est un calcul sur les séquences. Ah, donc, un calcul... Sur les séquences. Ah, donc, c'est pas... Mais on a le théorème de complétude, c'est-à-dire que les, les, les trucs démontrables, ce sont exactement ceux qui sont vérifiés dans chaque modèle ou... En général, non, mais ici, alors ici il va se trouver que le, co euh, comme vous, avez, euh, vous êtes parti de T, vous lui avez associé une théorie. Donc la théorie de T, comme elle est associée, comme c'est l'ensemble des propriétés vérifiées par un modèle, par construction, elle est complète en tant que théorie régulière. Il suffit d'un seul modèle. Pour... Ouais, Oui, ben, voilà. Hein, c'est vraiment parce que c'est la théorie d'un modèle. Mais... Euh, non, mais est-ce qu'en général... En général, non. En général, si vous prenez une théorie quelconque, une théorie, donc ici une théorie régulière, vous lui associez sa, sa, sa catégorie synactique, sa bon, la, 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 la théorie n'a aucune raison d'être complète. Hein. Puis là, de toute façon, elle n'est pas complète en tant que théorie du premier ordre. No, so the question is The result. Ici, oui, nécessairement. Non, in, mais in logic, if you have si vous avez un système d'axiomes. You... Encore que. Non, non, je suis en train de dire des bêtises d'ailleurs, parce que le, malgré tout, dans la théorie, on n'a pas les négations. Donc du coup, c'est. Non, non, j'étais en train de dire des bêtises. Parce que les modèles, c'est simplement que des relations d'inclusion soient vérifiées. Donc par exemple, si vous associez euh, à, à, à tous les objets, vous associez zéro. Ça vous définit un modèle parce que toutes les relations d'inclusion sont vérifiées. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que le, une propriété va être démontrable si seulement si elle est, elle est vérifiée par T. Bon, écoutez, il ne faudrait pas que je perde trop de temps. Donc euh, euh, voilà. Donc, euh, bon, donc démontrable dans la théorie, ça veut dire encore une fois qu'il se déduit des axiomes. Euh, euh, par euh, les règles habituelles de, de la logique. Euh, voilà. Alors, euh, donc on a, alors bon, euh, je laisse en exercice le fait que c'est vraiment une catégorie, c'est-à-dire qu'on peut composer les flèches. Et puis, on a même mieux que ça. Euh, donc, c'est un LEM. Le LEM 7 qui dit la chose suivante, donc ça c'est à cause de donc, cette catégorie... Ah oui, alors attention, parce qu'ici, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est de mettre régulier en exposant. Parce que quand on a une théorie, on peut aussi lui associer sa catégorie, sa tactique tout court, et ce n'est pas la même chose que la catégorie, sa tactique régulière. Hein, ici, il y a le fait que toutes les formules qu'on a prises sont des formules régulières. Hein, que ça soit au niveau des objets ou au niveau des flèches. Une autre remarque importante que, que, que je dois faire, c'est que euh, les objets de la catégorie ne dépendent que du langage. Puisque les objets, c'est les formules régulières, et la notion de formule régulière, c'est une notion dans le langage. En revanche, les morphismes dépendent de la théorie, puisqu'ils sont soumis à, euh, à la condition que ces trois séquences soient démontrables dans la théorie. Donc les objets ne dépendent que du langage, donc ici, pour nous, ils ne dépendent que de D, alors que les morphismes dépendent des axiomes et donc ils dépendent de t, de la représentation de t. Euh, alors le lemme, c'est de dire que euh, cette catégorie est additive, R linéaire. Bah oui, donc ça, c'est plus ou moins automatique parce que j'ai mis des morphismes d'addition, de multiplication par les scalaires. Et alors vous allez me dire, par exemple, pourquoi est-ce que l'addition est commutative ben, Elle l'est parce qu'elle l'est dans, dans T. T est à valeur dans, dans, dans les R modules. Hein, rappelons que tout ce qui est vrai dans T est vrai dans la théorie. Donc du coup, vous avez tous les axiomes qu'il faut pour la, les propriétés habituelles qui définissent la linéarité. Hein, donc cette catégorie additive est additive, R linéaire, et euh, elle est régulière. Donc il y a une notion de catégorie régulière. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement euh, qu'elle a des limites, quand je dis limites, je veux dire limite projective finie, arbitraire. Hein, non seulement les produits, mais euh, les, euh, les, les produits fibrés. Elle a des limites finies et elle a des images. C'est-à-dire que toute flèche d'un objet dans un autre objet se factorise à travers un plus petit sous-objet euh, du but. Et alors, euh, il y a une propriété supplémentaire des images, c'est le fait que la formation des images commute avec les changements de base. Donc c'est ça, quand ces deux propriétés-là sont vérifiées, on dit que la catégorie est régulière. Donc ici, notre catégorie additive, R linéaire, régulière. Euh, voyez qu'elle est... Euh, donc, euh, du fait qu'elle a des, des limites projectives finies arbitraires, euh, elle n'est elle pas très loin d'être abélienne. Ce qui lui manque pour être abélienne, c'est l'existence de, de quotients. Par les relations d'équivalence. Donc, so si X to Y with say Z in Y, Is it the case that Z is the quotient of X by the equivalence relation X over X over Y or not? So is it so there is a, this notion of effective epimorphism No, for the moment, no. So I also have a formal question on the definition. It seems that when you identify, you say you take equivalence classes of regular formulas, but it seems that there is a pro, small problem because it could be that some symmetry. There is a symmetry. This when you vous avez des permutations des variables, vous obtenez la même formule. Donc, so il semble être plus raisonnable... Non, 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 donc on donne les, les formules... Euh, on les donne dans un... on donne les variables dans un certain ordre. Donc... Donc, euh, so il me semble que vous devez... vous pouvez juste... utiliser ce... dire que quand vous avez... une formule comme celle obtenue de de l'autre en changeant les variables, en fait, vous avez un morphisme, Bon. So so d'accord, mais là, Encore une fois, je veux... d'accord, mais je veux je veux pas faire quelque chose de parfaitement rigoureux. Je veux faire quelque chose de compréhensible et le... voilà. Donc pour le moment, bon, j'espère que je suis compréhensible. Là. Hein? Donc euh, voyez le. Bon, donc voilà, on a cette euh, catégorie additive, R linéaire, régulière. Bon, donc l'étape suivante, c'est de la rendre abélienne. Donc c'est l'étape 3. Euh, donc là aussi, c'est une étape qui est tout à fait standard en euh, théorie des, euh, des catégories. C'est-à-dire, quand on a une catégorie régulière, de lui associer ce qu'on appelle son effectivisation. Donc c'est l'étape 3, effectivisation. de la catégorie syntactique régulière de notre théorie. Donc l'effectivisation, ben, justement, c'est ça qui en fait qu'on va noter CT. Alors, euh, donc, euh, ben, c'est la définition 8. Euh, alors, euh, Bon, c'est une définition générale, hein. on prend une, une catégorie régulière, au sens que j'ai dit, là, qui est encore écrit au tableau, et on lui associe euh, son effectivisation, donc c'est une nouvelle catégorie, déduite de la précédente. Alors qu'est-ce que c'est que les objets Eh bien, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute formellement euh, les quotients des relations d'équivalence. Donc les objets, c'est des paires, Où le, le premier est un objet euh, de la catégorie C, et le deuxième, E, c'est une relation d'équivalence. Donc une relation, ça veut dire quoi Ça veut dire un sous-objet. E est un sous-objet. Alors, bon, les, ils s'écrivent comme ça, les logiciens. Les catégoriciens écrivent comme ça. Donc E est plongé comme sous-objet dans X fois X et euh, vérifie les, les propriétés habituelles de, euh, des relations d'équivalence. Donc le fait que ce soit réflexif, euh, symétrique, transitif, euh, bon je n'écris pas. Donc voilà, ça c'est les objets. Et les flèches. Donc si j'ai... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une flèche de XE dans YF euh, eh bien, euh, ça va être une relation, c'est-à-dire un sous-objet, R, euh, du produit des deux, alors qui vérifie euh, bah, les axiomes qu'il faut. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on compose R avec E, on obtient R, et c'est aussi le composé de F avec R. La deuxième chose, c'est que la relation E, considérée comme un sous-objet, est contenue dans le composé de la relation opposée de R. Vous voyez, R, c'est contenu dans XY. La relation opposée, c'est le sous-objet correspondant de Y fois X. Hein? Donc euh, E doit être contenu dans ce composé-là. Et puis le composé de R, avec l'opposé de R, lui, est contenu dans F. Voilà. Bon. Euh... Donc ça, c'est la définition formelle de l'effectivisation. Hein, on a simplement euh, rajouté formellement des quotients de relations d'équivalence. Euh, et donc ici, euh, on a un, un lemme qui doit être le lemme 9. Euh, donc c'est la chose suivante, c'est que donc, bon, cette construction est générale pour une catégorie régulière, mais on l'applique à euh, la catégorie... Syntactique régulière de la théorie qu'on avait. Voilà, donc est ceci est l'effectivisation de ça. Et alors là, euh, ben, qu'est-ce qu'on a On a que cette catégorie est abélienne. Autrement dit, elle garde les propriétés de régularité, mais en plus, il y a des quotients, des relations d'équivalence. Et euh, d'autre part, euh, elle est munie de deux choses. D'une part, il y a une représentation de D dans cette catégorie, qui consiste simplement, vous voyez que si vous avez un objet de D, bah évidemment, euh, vous pouvez lui associer des objets de la catégorie syntactique régulière, puis de l'effectivisation. Et de même pour les flèches, donc vous avez bien une représentation. Euh, euh, voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis elle est également munie d'un morphisme FT qui va dans la catégorie des R modules, euh, tel que le, le composé des deux est égal à la représentation T de départ. Sous quelles conditions on peut définir l'affectivisation d'une catégorie et montrer que c'est abélienne Est-ce que c'est catégories régulières, dans le sens que vous devez donner, parce ce que c'est plus compliqué que ça euh... Je... Là... Euh... Vous voyez, je regrette beaucoup qu'Olivia ne soit, soit, soit pas là. là. J'ai oublié de dire qu'elle n'est pas là, parce qu'en fait elle s'est blessée, elle s'est fait une, une entorse assez grave, donc là, elle est immobilisée, elle ne peut pas marcher. J'espère qu'elle sera là la semaine prochaine. <laughs> Mais c'est elle qui aurait pu répondre à ce genre de questions. Donc... Euh... Euh, l'effectivisation, ça consiste à rajouter les quotients des relations d'équivalence. Donc moi, il, il me semble qu'en euh, en rajoutant ces quotients, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir euh, récupérer euh, l'existence des, des produits fibrés. Donc il faut que les produits fibrés soient déjà là. Pour qu'ensuite... Euh... Ouais, donc c'est pour ça, je pense que pour que l'effectivisation... Euh, euh, soit une, une catégorie abélienne, euh, vous avez besoin de, de partir d'une catégorie qui est déjà, euh, qui au moins a des limites finies. Et, euh, donc je pense que les conditions sont vraiment... Enfin, si on n'a pas ces hypothèses, ça ne marche pas. Les images, on n'a pas besoin... Pourquoi on a besoin des images dans la catégorie Si on ajoute, je ne sais pas. Je... C'est la question. Est-ce que c'est nécessaire euh... Oui. On a besoin des images pour composer les relations. On ne ah. peut pas composer les relations parce qu'il faut faire un produit fibré et après prendre l'image pour que ça devienne une relation sur le produit. Ouais, c'est juste. C'est oui. ah, ouais. une activation plus générale qui marche pour des catégories pas régulières, mais celle-ci marche que pour des catégories régulières. Ah, donc vous voulez un logiciel j'imagine. Voilà. Logicia, <rire> voilà. <rire> Alors, euh... voilà, donc on a ce lemme. Et puis euh, bon après euh, euh, après euh, ce, ce lemme euh, eh bien euh, on arrive à l'étape 4 euh, qui consiste à démontrer les, à énoncer d'abord euh, et puis à démontrer les résultats. Donc c'est l'étape 4. Alors euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux théorèmes. Euh, 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 donc le premier théorème, c'est un, euh, un théorème 10 qui généralise euh, celui de, de Nori. Euh, donc euh, voilà, on part de notre représentation avec encore une fois aucune hypothèse sur l'anneau R, enfin bon il est commutatif et unitaire, mais à part ça il n'y a aucune hypothèse ni sur R ni sur la catégorie de modules. Euh, et euh, donc dans cette situation, euh, ben, on a construit cette catégorie CT avec la représentation de D dans CT et le foncteur. Euh, alors euh, la première assertion du théorème, c'est que euh, ce foncteur que j'ai noté FT euh, de CT dans R mode, est exact et fidèle. Alors, la raison pour ça, euh, bon, euh, j'espérais évidemment d'expliquer de, de, avec plus de détails la fois prochaine. Dans hein, les démonstrations, euh, je les donnerai la fois prochaine. Mais euh, la, la raison, elle est évidente c'est que le, euh, vous avez défini. Donc, CT est défini à partir de la catégorie syntactique de la théorie T. Et la théorie, et la théorie T, c'est la théorie de la représentation T. Autrement dit, tout ce qui est vrai pour la représentation T, une chose est vraie pour la représentation T si et seulement si. Elle est vraie dans la théorie T. Et c'est pour cette raison que ce foncteur est exact et fidèle. Autrement dit, tout ce qui est vrai ici se reflète là et réciproquement. Alors, ça, c'est la première assertion. Bon, on a déjà dit qu'il y avait factorisation. Euh, et puis, la deuxième propriété, ben, c'est l'universalité. Alors. Euh, bah, le, donc je, je recopie le, le, le dessin de tout à l'heure donc on a D la valeur dans R mode on a la donc ici c'est T, on a la factorisation à travers la catégorie CT et puis on suppose qu'on se donne une autre catégorie avec euh, une autre factorisation euh, par un autre foncteur exact et fidèle et alors dans ce cas là euh, L'assertion, en fait, c'est une universalité qui est, le, qui, est euh, qui non seulement est sans hypothèse, mais qui en plus est légèrement meilleure que celle de Nori. À savoir que le, en fait, il existe ici un foncteur rendant le diagramme commutatif. Pas commutatif à isomorphisme près, commutatif tout court. C'est-à-dire que le ce foncteur est égal au composé de celui-ci et de celui-là, et ce, fon euh, ce foncteur-là est égal, non, ce là composé avec celui-ci est égal à celui-là. Hein, c'est commutatif vraiment au sens strict. Donc ça veut dire en particulier la chose suivante, c'est que vous vous si vous vous placez dans la, dans la situation de Nori, hein, c'est-à-dire celle où R est notérien et vous avez, vous avez un foncteur à valeur dans les modules finis. Euh, euh, eh bien, euh, bien sûr, la, la catégorie euh, construite euh, par euh, Olivia Caramello est équivalente à celle de Nori, mais elle ne lui est pas isomorphe. Hein, C'est pour ça qu'elle vérifie des, des, des propriétés, euh, enfin une pro cette propriété qui est légèrement meilleure. Hein Et en fait, le, quand on regarde... Euh, la, la, les démonstrations de Nori. Qui sont, sont donc des démonstrations d'algèbre linéaire, en fait. Hein. Eh bien, on se rend donc quand on regarde en détail ce qu'il a fait, euh, on se rend compte qu'il est en train d'essayer de, de faire quelque chose de syntaxique dans un, avec de la sémantique. Mais, but, but you it's Mais je, je, donc je préciserai ce que veut dire syntha, cette dualité, cette euh, distinction fondamentale, hein, qu'on euh, entre syntaxe et sémantique. Mais le, bon, là, c'est juste une remarque. Enfin, voilà. Toujours est-il qu'on a ce théorème. Et alors euh, Non, mais l'hypothèse, c'est le. Voyez. Donc, d'abord, on a cette factorisation. Sur la conclusion, il existe ce s, mais. Non, non, non. Il existe. Non, non. S est donné. Donc, on se donne une factorisation, et donc, il existe un foncteur, euh, disons, xi, qui est unique il existe un unique... Oui, oui, absolument, vous avez raison. Il existe un unique foncteur rendant le diagramme commutatif. Strictement commutatif. Ah, strictement commutatif. Voilà. Alors, donc ça, c'est le premier théorème, et maintenant, il y en a un second, euh, qui, à mon avis, euh, est au moins aussi important. Euh, donc, c'est la chose suivante, c'est que le, vous voyez que cette construction est extrêmement générale, euh, et donc ensuite, on peut faire varier à la fois les représentations T et les diagrammes D. Et si on a en tête les, euh, les, euh, évidemment les, les, les motifs, vous euh, ben voyez qu'en géométrie algébrique, on a on a plein de foncteurs homologiques. Donc on va pouvoir appliquer ça et, et associer à chaque foncteur homologique une catégorie qui est un candidat pour être la catégorie des motifs. Donc évidemment, on se pose la question est-ce que c'est les mêmes alors, euh, donc on a un critère général pour ça. Alors il y a deux parties. La première partie, c'est quand vous vous autorisez à faire varier à, à la fois vous, vous considérez donc R est fixé, mais vous considérez deux représentations de deux carquois différents. Ou euh, enfin qui peuvent être les mêmes, mais euh, euh, vous, vous ne supposez pas qu'ils sont égaux. Et donc vous avez deux catégories universelles associées, CT et CT'. Et vous pouvez vous demander euh, est-ce que ces catégories sont équivalentes C'est une question qui est intéressante pour les motifs parce que vous pouvez très bien imaginer que vous puissiez construire les motifs, euh, la même catégorie de motifs, de plein de manières différentes, et en partant de diagrammes de géométrie algébrique différents. Alors là, la réponse, c'est que CT est équivalent à ct', si et seulement si, leur théorie, donc tt et tt', sont ce qu'on appelle Morita équivalente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, donc ici, je donne des termes, en, euh, ça veut dire que leur topos classifiant Hein, donc, en, la, la fois suivante, je préciserai ce que ça veut dire. Mais leur topos classifiant, donc ET et ET', donc ces deux topos de Grothendieck, associés aux deux théories T et T', sont équivalents. Alors, là, donc euh, bon ici, le, comme, comme je n'ai pas, pas expliqué ce que c'est que les topos classifiants de deux théories, c'est un énoncé qui est un peu obscur là. Dijon, je l'ai écrit pour la raison suivante, c'est que, vous voyez qu'on a fait toute une construction où à aucun moment n'est intervenue la notion de topos. À aucun moment. Mais est-ce que l'équivalence entre cette prime, c'est comme catégorie R-linéaire Oui, comme catégorie euh, abélienne R-linéaire. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu bizarre parce que si on a un automorphisme de R et on change, donc, on, on, le topos ne voit pas comme topos abstrait, ne voit pas ça. Donc, ça sera, on obtient des topos équivalents avec ces tor torsions, alors qu'il ouais. n'y a pas d'équivalence R linéaire, mais seulement avec automorphisme Alors, ça, ça, il semble que c'est contradictoire. Non. Bah... De toute façon, un automorphisme de R, euh, non, un automorphisme de R, euh, lui, ne... Euh, euh... donc on obtient T prime par, par, de T par un automorphisme de R donc, si vous avez une définition ouais. de topos ouais, associé ouais. donc ce sera le même topos plus ou moins oui le topos, topos le topos équivalent mais, les, mais il semble je ne sais pas que les. il n'y pas non 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 on a une équivalence RLNR ou non non, je suis pas sûr si on a. Bon. Si, si le résultat est vrai, alors comme le topos sont équivalents, vous, vous affirmez que, que les que, les catégories sont R équivalents, donc ah, est-ce que les topos classifiants des, des deux théories sont équivalents ah, mais Si vous avez seulement l'automorphisme de R, ouais. il semble que si vous avez un. Mais est-ce que, est que si les si, par automorphisme de R, vous obtenez deux, deux euh, théories équivalentes J'en suis pas sûr. Non, mais c'est quoi l'automorphisme Si vous avez une un notion qui est définie à partir de données, si vous ouais. avez. De, par transport de structure, normalement, on s'attend que si on fait des choses comme des bijections, des <coughs> ensembles de base, on, on peut toujours... Ah oui, mais un automorphisme de R, par exemple, ça va transformer une combinaison linéaire en une autre combinaison linéaire. Et euh, bon, bah, la, la, la combinaison linéaire va, va définir un certain sous-espace, et l'autre combinaison linéaire va définir un autre sous-espace. Par exemple, je ne suis pas du tout sûr que les, les relations d'inclusion soient préservées... Euh. Non, moi j'ai... Écoutez, là... Le... Bon, on pourra parler de ça après. Je voudrais terminer le... Je, je... Bon, de toute façon, je, je démontrerai euh, cette assertion la fois prochaine. Okay. Mais je... on en parlera après. De okay. okay. toute façon, pour aujourd'hui, c'est pas... Le... Est-ce que c'est un topos abmonique à une certaine structure ou pas Non, c'est un topos... Il n'y a rien... Il a pas d'autre structure que de topos. C'est un topos de Rotendix, c'est-à-dire c'est une catégorie d'un certain type. Donc, par définition, un topos de c'est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux sur un site, des faisceaux d'ensemble sur un site. Et donc, ici, quand, on parle, quand je dis que les deux topos sont équivalents, ça veut dire équivalent en tant que catégorie. Il n'y a pas d'autre structure. Donc, ici, la remarque que je voulais faire, encore une fois, c'est que euh, on a pas mis de, a, dans, dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il n'y a pas de topos. Donc en particulier, euh, par... jusqu'à présent, j j dans, dans, dans la construction, je n'avais pas parlé de topos classifiant, je n'avais pas parlé d'équivalence de Morita, mais il n'empêche que ici, vous avez ces deux catégories euh, que vous avez construites à partir de deux foncteurs homologiques différents sur deux euh, carquois différents, et vous avez que ces catégories équ... sont équivalentes si et seulement si leurs théories associées sont équivalentes au sens de Morita. Hein, ce qui quand même vous fait sortir cette notion-là, euh, sans que vous l'ayez mise a priori, voilà. Donc ça c'est la première partie du théorème. Et la deuxième partie euh, qui en fait est euh, pour ce que je veux dire aujourd'hui est plus, plus plus parlante. Donc la deuxième partie du, du théorème c'est que donc cette fois on considère deux représentations t et t' du même carquois. et donc vous avez deux catégories associées munies chacune euh, d'une représentation de d. et vous pouvez vous demander est-ce que ces deux catégories sont équivalentes avec leur représentation. Donc évidemment, ici, vous demandez quelque chose de plus fort, qui n'aurait pas eu de sens dans la situation de 1. Et donc l'assertion, c'est que ceci est vrai, si et seulement si, les deux théories de t et t' sont les mêmes. Autrement dit, tout ce qui est démontrable dans l'une est démontrable dans l'autre. Alors, on peut même expliciter ce que ça veut dire concrètement. Euh, vous devez regarder, euh, des, des, comparer des, des sous-objets définis par des, des formules régulières. Donc, des formules régulières, c'est des, des combinaisons linéaires, euh, de, de composés, de flèches associées à des, à des flèches de D. Donc, supposez que vous ayez une telle écriture, une telle formule. Phi. Euh, vous pouvez l'interpréter dans T et l'interpréter dans T'. Ça vous définit deux sous-objets. Hein, donc vous l'interprétez dans T, vous l'interprétez dans T', et vous obtenez deux sous-objets du même produit. Euh, pardon, vous obtenez deux sous-objets. L'un euh, d'un produit euh, d'espace associé par T euh, euh, bah, euh, à, à votre ensemble de sortes, à votre collection de sortes. Et puis ici, c'est un sous-objet dans le produit des espaces associés par T' à la même collection de sortes. Bon, et puis vous avez une autre formule, φ, qui elle aussi s'interprète à la fois dans T et dans T'. Et donc l'égalité des théories, c'est de dire que le sous-espace défini par φ est contenu dans le sous-espace défini par ψ si et seulement si. Euh, pardon, le sous-espace défini par phi dans via T est contenu dans le sous-espace défini par psi via T si et seulement si le sous-espace défini par phi dans T' est contenu dans le sous-espace défini par psi dans via T'. Les relations d'inclusion des, des, des des, en, en, entre sous-objets définis par des formules identiques doivent être les mêmes dans T et dans T'. C'est ça la signification de l'égalité des théories. Alors, euh, voilà, et donc, euh, maintenant qu'on a ces deux théorèmes, eh bien, euh, le troisième paragraphe, qui va être euh, beaucoup plus rapide, c'est euh, simplement l'application au motif. Hmm. Alors, euh, ben on va considérer, euh, ça veut dire qu'on s'intéresse au schéma sur un corps K, euh, en fait euh, complètement arbitraire, hein, en particulier de caractéristiques arbitraires. Euh, dans la construction de Nori, on avait dû prendre un, un sous-corps de C, parce qu'on avait besoin de prendre l'homologie de Betty, ou la homologie de Betty, quelque chose de dimension finie sur Q. Mais ici, on ne va plus avoir besoin de ça. Donc on prend un corps euh, arbitraire, et de, de la caractéristique peut être 0 ou, euh, ou un nombre premier, ou P, et euh, on va prendre pour coefficient ben, euh, Q ou éventuellement Z. Euh, alors euh, ensuite... Euh, ben, euh, donc, D, on va prendre évidemment un carquois construit avec euh, les schémas sur ce corps de base qu'on a choisi. Donc, euh, je, vais, je vais tout de suite préciser hein, ce qu'on peut faire. Mais sachant qu'il y a énormément de choix possibles. Euh, voilà. Et puis, pour T, on va prendre. Euh, donc, T, ça va être à valeur dans les Q espaces vectoriels. Ou éventuellement dans les, les Z-modules, c'est-à-dire les, les groupes abéliens, euh, et euh, évidemment, ce qu'on va, qu va vouloir prendre pour T, c'est un foncteur euh, cohomologique ou euh, homologique. Euh, alors, euh, euh, et la seule chose dont, dont on a besoin sur ce foncteur, c'est qu'il soit. Euh, bah, on a besoin d'un foncteur à coefficient... De euh, caractéristiques 0. Euh, mais euh, vous voyez tout de suite que, comme on n'a plus d'hypothèse sur la dimension, euh, on peut très bien prendre un foncteur cohomologique dont les coefficients naturels sont dans un corps beaucoup plus gros que Q. Donc, par exemple, vous allez pouvoir prendre comme euh, foncteur cohomologique, par exemple, la cohomologie l adique ou la cohomologie p adique euh, si vous êtes en caractéristique P. Enfin, le, la seule chose que vous demandez, c'est d'avoir des coefficients de caractéristique 0, éventuellement entiers d'ailleurs, euh, si vous savez les définir. Euh, alors, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de. Donc, ça, c'est l'idée générale. Euh, maintenant. Euh, les objets. Qu'est-ce qu'on va vouloir dire sur les objets de D eh bien, Dans les objets de D, il va toujours y avoir une partie géométrique et puis euh, une partie d'indice. Alors la partie géométrique, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être bah, simplement les schémas, éventuellement les schémas d'un certain type. Vous pouvez vous limiter au schéma lisse, au schéma projectif, enfin disons les schémas ou un certain type de schéma, ou alors on peut faire comme euh, Nori, regarder des paires de schémas, ou euh, éventuellement on peut regarder des, des diagrammes plus compliqués. Euh, L'indice, qu'est-ce que ça peut être ben, euh, D'abord, euh, vous, vous aurez de toute façon besoin d'au moins un indice euh, qui va être le degré... Euh, des espaces euh, de cohomologie ou euh, d'homologie. Vous pouvez aussi éventuellement avoir un autre indice euh, de torsion à la tête. C'est-à-dire considérer non seulement la cohomologie, la cof... par exemple la coefficient dans QL, mais dans QL tordu euh, par J. Hein, vous pouvez faire ça. Euh, et puis, euh, vous pouvez aussi envisager éventuellement d'avoir un indice euh, binaire, je veux dire un indice qui peut prendre deux valeurs, qui vous permet de, de considérer simultanément l'homologie et la cohomologie. C'est-à-dire, si l'indice prend la première valeur, ben, l'espace associé, ça sera l'espace de cohomologie. Si l'indice prend la deuxième valeur, l'espace associé, ça sera de l'homologie ou de la cohomologie à support compact. Vous pouvez très bien euh, euh, considérer les deux. Hein euh, voilà, donc ça c'est pour euh, le, voilà, des choix possibles pour les objets de D. Euh, euh, et alors là, euh, oui, si vous avez... Une remarque que je peux faire sur les... les quand on a deux indices, c'est que bon, si par exemple vous avez un objet X, vous pouvez lui associer le HI LADIC de X bar à coefficient dans QL tordu par J. Vous pouvez faire ça. Mais une chose que vous pouvez envisager de faire aussi, c'est euh, de lui associer euh, les groupes de cohomologie motivique, X, c'est-à-dire les groupes de choses supérieures de blocs. Alors si on veut que ça corresponde, il faut mettre les CHJ de x, et ici avec un 2j moins i, disons à coefficient dans Q. Alors, vous allez me dire, euh, oui, euh, les, 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 les groupes de choses supérieures, c'est beaucoup trop gros, c'est dimension infinie sur Q. Mais on s'en moque. Enfin, disons que là, nous, on n'a pas besoin d'hypothèses de dimension finie. Hein? Et puis là, euh, voilà, euh, donc ça aussi, ça va être de, de dimension finie sur QL, donc de dimension infinie sur Q, mais peu importe. On peut euh... pas changer de la catégorie, Q. Vous le prendre des histoires vectoriel, prendre des histoires de ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Ah, euh... Ou le ou ah, mettre un indice les... du côté des mais de, de, ouais. de, euh... de l'autre côté. Pourquoi pas Mais le, pour le moment, disons, le, tel que c'est écrit dans l'article, c'est comme ça. Hein? Oui, alors là, le, le, donc, le, euh, en fait, ça, c'est aussi le, une, enfin, une observation que je ferai certainement dans l'exposé 3, si j'ai le temps. C'est que. Euh, encore, euh, donc là, c'est une observation qui a trait à cet article motivique euh, toposis, donc qui est la recherche euh, d'une bonne axiomatisation pour les théories comologiques, et en particulier d'un bon topos classifiant. Et alors là, bon, bon, Olivia développe beaucoup de réflexions sur ce qu'est-ce pour, qu qu'on pourrait attendre d'un tel topos pour que, pouvoir affirmer que justement, euh, par exemple, tous les foncteurs comologiques ont la même théorie associée. Donc, bon, et euh, donc, euh, disons, c'est vraiment, ça c'est un, un travail de recherche en cours, hein, c'était juste pour faire le point. Euh, mais donc en particulier, il y a la recherche d'un bon D, Et euh, à un moment, euh, euh, donc, euh, bon, il y a des calculs qui sont faits, euh, euh, disons, à partir de l'idée que le, le topos classifiant doit avoir une certaine forme. Et euh, du fait que le topos classifiant de, de, enfin, doit vérifier certaines propriétés, ça, ça se traduit en, en certain d'une certaine manière du côté syntaxique. Et alors, du coup, sans que euh, euh, y, euh, même, en fait, quand olivier a trouvé ça, elle savait même pas ce que c'était qu'une catégorie dérivée. Mais ici, il y a une condition qui brusquement apparaît. Euh, que, donc la condition qui apparaît dans les calculs, c'est que euh, on veut classifier des, des, des théories cohomologiques euh, où euh, l'image les, euh, les, euh, les, les de toute flèche est définissable, c'est-à-dire l'image de toute flèche doit pouvoir être écrite par des équations. Alors donc Olivia elle a trouvé ça, elle a raconté ça tout de suite à Barbieri-Vialet et à moi. Et immédiatement, on lui a répondu "Mais ça, c'est les cônes qui fournissent ça." Autrement dit, c'est la structure triangulée. Hein, C'est-à-dire le, le fait de pouvoir compléter n'importe quelle flèche en un triangle distingué. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas mis au départ des structures triangulées, en fait, au cours des calculs, vous le voyez apparaître comme une nécessité. Donc ça veut dire qu'en fait, le, euh, 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 donc Olivia pense aujourd'hui que c'est le D lui-même c'est-à-dire le, le, le truc syntactique qui doit être muni au départ euh, d'une structure de catégorie triangulée donc si vous regardez dans son article il y a un dernier paragraphe qui s'appelle catégorie triangulée syntactique où elle construit donc, une espèce de, 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 de catégorie triangulée enfin une catégorie triangulée du côté syntactique qui va se réaliser dans les, euh, toutes les théories comologiques qui, en un sens, est en amont de toutes les théories comologiques. Mais la raison de, derrière cette construction, c'est ça. Donc ça veut dire que, la, la, en quelque sorte, la, 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 disons, dans l'état actuel de la recherche, euh, de cette recherche, le, 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 la structure triangulée apparaît vraiment comme une nécessité. Moi, je voulais plutôt à bah, non. La, la, donc, juste, enfin, disons, voilà, bon, maintenant, encore une fois, ça va travailler. C'est un travail en cours, euh, donc, euh, bon, ni moi, ni même Olivia ne savons jusqu'où ça ira, mais disons, dans l'état actuel des choses, voilà, là j'ai dit. Bon, alors, bon, donc, oui, donc j'ai dit, on peut regarder également la cohomologie motivique. Donc là, j'ai parlé des objets de D, et puis ensuite, il y a les flèches. Et alors, évidemment, on va mettre en, flè en flèche de D tout ce dont on sait que ça induit des, des, des homomorphismes entre espaces de comologie. Donc, bien sûr, les flèches de fonctorialité entre, entre objets ou entre, entre paires ou éventuellement entre diagrammes plus riches. Mais également, on peut faire comme Nori et introduire des flèches qui correspondent aux, aux homomorphismes de bord. Voilà. Donc, on peut faire tout ça. Et puis ensuite, pour D... Euh, pour T, comme représentation T, bah, euh, on peut prendre n'importe quel euh, foncteur cohomologique euh, à coefficient de caractéristique 0. Donc ça peut dire euh, l'homologie ou la cohomologie de Betti, euh, la cohomologie de Rham si on est en caractéristique si K et caractéristique 0, la cohomologie euh, la cohomologie donc si on a caractéristique P, la cohomologie P-adique, c'est-à-dire cristalline ou rigide, euh, ou enfin la cohomologie motivique. Donc vous pouvez considérer tous ces foncteurs et... Euh, bah, maintenant euh, euh, pour chacun de ces foncteurs comologiques, hein, vous prenez euh, T euh, égale euh, Bt ou de Rame si euh, la caractéristique est zéro euh, ou euh, elle indique euh, ou euh, p euh, donc ça veut dire cristallin ou rigide. Hein? Donc ça, c'est si la caractéristique de k est égale à p. Euh, ou bien, j'ai dit là, également la cohomologie motivique, les groupes de choses supérieurs de bloc. Euh, donc, euh, vous prenez n'importe laquelle de ces T avec euh, un diagramme euh, fabriqué comme j'ai dit, mais encore une fois, il y a un, un très grand choix. Et donc, dans toute telle situation. Ben, vous associez à D euh, muni de la représentation T, euh, vous associez à ça une catégorie abélienne, euh, R linéaire, donc ça veut dire ici Q linéaire, ou éventuellement bon, Z linéaire, si vous avez considéré les choses à euh, coefficient dans Z, euh, qui est euh, bon, universelle au sens euh, qu'elle vérifie le, le théorème qu'on a énoncé tout à l'heure. Et donc évidemment, la question qui se... Donc, bon, et puis vous pouvez considérer cette catégorie comme un candidat euh, pour être une catégorie de motifs, motifs mixtes. Hein. Euh, et donc, euh, évidemment, là... Euh, bon, ici, il y, 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 y a plein de questions qui se posent. D'abord, comme j'ai parlé de cohomologie motivique, il y a une première question qui se pose, euh, qui est un peu... Euh, euh, enfin, c est, c est, euh, euh, voilà, donc c'est la suivante. Euh, c'est que, vous voyez, vous considérez les, les, les foncteurs de homogie motivique, euh, donc les, les groupes de choses supérieures de blocs. Vous avez une catégorie, maintenant une catégorie abélienne culinaire associée. Par ailleurs, vous savez que Wojwoski et d'autres ont construit quelque chose qu'ils ont appelé la catégorie triangulée des motifs, dans, les, dans laquelle les groupes de choses supérieures de blocs s'interprètent comme des groupes d'homomorphismes. Et une question posée depuis des années, c'est est-ce que cette catégorie triangulée de Wojcicki peut s'écrire comme la catégorie dérivée d'une certaine catégorie abélienne Donc là, vous euh, voyez que vous avez un candidat, vous avez une catégorie abélienne qui vous est fournie, qui est définie par la comologie motivique elle-même. Donc euh, ça c'est une question sur, la, euh, sur laquelle je reviendrai dans l'exposé 3, euh, que je, justement l'exposé des questions. Hein, parce qu'on peut malgré tout préciser cette question. Euh, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de vous dire bon ben voilà j'ai tous ces foncteurs de foncteur naturel. Parce que dans le cas de Nori, on voit bien qu'il y a un foncteur naturel. Oui, il y a un foncteur naturel. Oui, justement c'est ce que j'expliquerai dans l'exposé 3. Hein, C'est-à-dire qu'on peut construire un foncteur naturel euh, qui va de la, la catégorie de, de Voivodski euh, vers la catégorie dérivée de cette catégorie abélienne. Et euh, la question, c'est est-ce que c'est une équivalence Et pour quelle version de la catégorie de weil est la catégorie Je préciserai. <laughs> je, 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 euh, euh, je préciserai là, le, 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 je, Bon, j'écris ça dans mes notes. Le, voilà. Le, donc là, aujourd'hui, je, je, bon, tout, tout, tout ça, je l'ai écrit, donc je, je le dirai dans deux semaines. Voilà, aujourd'hui, euh, je ne sais plus ce que j'ai écrit euh, sur ce... J'ai motivé, est-ce que vous considérez ça comme un facteur sur oui. les variétés lisse ou des paires de variétés lisses Normalement, c est, c est... il y a un sous, on peut considérer ça pour un, un ouvert d'une variété lisse. Avec... Sinon, il y a l'homologie euh, motivée. Je, ouais. a... je préciserai, je donnerai des définitions précises, je, je pense que c'est avec des schémas lisses. Si, je, si mon souvenir est exact, on part de, de chez Malice, euh, comme fait Wolofski euh, lui-même. <laughs> enfin, bon, écoutez, je, 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 je préciserai les choses. Pour l'instant, c'est simplement une remarque, voilà, une remarque euh, qui, qui est imprécise. Hein. Mais, donc, voilà, on a donc, ces catégories associées, euh, on a ces catégories associées euh, voilà, tous ces foncteurs. Hein, donc, on peut dire que c'est la définition 12, voilà, toute telle, dans toute telle situation, il y a une catégorie abélienne culinaire associée. Euh, voilà, du simple fait qu'on s'est débarrassé de la, de la condition euh, de dimension euh, finie. Euh, et puis enfin, le, le résultat qui euh, auquel je voulais arriver, c'est le suivant. Donc c'est un corollaire. Donc c'est l'énoncé 13. Donc corollaire du théorème 11 de tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, euh, quand est-ce qu'on a les mêmes catégories de motifs Alors, donc on se donne, encore une fois, euh, K, un corps de base arbitraire, et puis euh, les coefficients qui peuvent être euh, Q ou Z. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, on regarde un carquois, euh, comme j'ai dit, donc il euh, y, y a beaucoup de choix possibles de carquois. De hein, toute façon, le théorème va être vrai quel que soit le, le carquois euh, constitué à partir des schémas qu'on a regardés. Et euh, euh, on considère non pas un, mais une famille. Hein, donc, ça, ce que je note comme ça, c'est un ensemble de bons euh, foncteurs cohomologiques. Donc, ça veut dire qu'ils qu sont dans la liste que j'ai mise là. Euh, Euh, donc, tous, il faut que ça soit, euh, que ça aille dans les Q espaces vectoriels ou dans les Z modules éventuellement. Donc, je, voilà, j'ai toute une, une famille. Par exemple, je considère tous les foncteurs de cohomologie à la pour tous les L possibles. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes. Alors, euh, la, la première condition, c'est que euh, les fo ces foncteurs homologiques se factorisent à travers une catégorie de motifs au sens euh, où on l'entend généralement. Donc ça veut dire qu'il y a une unique euh, euh, catégorie euh, de motifs euh, donc je sais pas on va l'appeler M avec une représentation de D dans M telle que chaque T se factorise comme ça donc chaque T se factorise en un Foncteur qui va de. Ces, donc, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, Ft, vous voyez, là, on va l'appeler Ft. Hein, même si ça, ça, vous voyez, donc là, je n'ai pas dit que c'était ct, ça. Hein, simplement, on demande qu'il y ait une catégorie abélienne culinaire, M, munie d'une représentation de D, et à travers laquelle se factorisent tous les foncteurs cohomologiques qu'on regarde. Et alors, ce qu'on demande, c'est que, bien sûr, enfin, comme vous avez regardé les. les, les dans les livres, ce qui est demandé au motif, ben on demande que ces foncteurs soient exacts et fidèles, les foncteurs de réalisation. Hein, donc, on, donc, ça, c'est la, la première condition dans l'énoncé euh, du, du corollaire. Mmh. Euh, la deuxième condition, c'est que les catégories CT, hein, donc celles de la construction de tout à l'heure, la construction euh, d'Olivia, euh, avec leur, euh, les représentations de D euh, dont elles sont munies, euh, donc toutes ces choses-là sont équivalentes. Et la troisième condition, c'est que les théories des différents foncteurs T, les théories régulières des différents foncteurs T sont toutes égales. Voilà, donc l'énoncé, c'est l'équivalence entre ces trois choses. Et ensemble de bonnes. De bons foncteurs cohomologiques, donc c'est. Non, non, c'est euh, un ensemble de, simplement de représentations, mais j'ai dit ça parce que évidemment, on veut l'appliquer aux foncteurs cohomologiques qu'on connaît et dans lesquels on a confiance. Euh, les foncteurs L-adique, P-adique, euh, Betti, euh, etc. Et si on prend l'ensemble vide des foncteurs cohomologiques <laughs> Non, mais là, dans ce cas-là, le théorème est vide. Euh, euh, oui, là, non, mais d'accord. Donc je prends un ensemble non vide. Euh, <laughs> donc euh, voilà, donc, euh, donc le corollaire c'est l'égalité de ces trois conditions. Alors l'équivalence de 2 et 3 c'est le théorème de tout à l'heure. Euh, le fait que 2 implique 1 c'est évident parce que dans ce cas là vous prenez m égale ct puisque c'est toutes les mêmes. Et donc ce qui vous reste à démontrer c'est que 1 implique 3. Ben ça, ça résulte de quoi Ça résulte de l'hypothèse que les foncteurs ici sont tous exacts et fidèles. Donc ça veut dire que quand vous avez deux formules, vous pouvez les interpréter à la fois ici et là. Et la relation d'inclusion à ce niveau-là, c'est la même qu'à ce niveau-ci, puisque le foncteur est exact et fidèle. Les relations d'inclusion entre sous-objets sont les mêmes ici et là. C'est-à-dire, si vous avez deux formules qui définissent deux sous-objets ici, euh, ces mêmes formules définissent ici les deux sous-objets images, et vous avez que les deux sous-objets ici sont contenus l'un dans l'autre, si et seulement si leurs images sont contenues l'une dans l'autre. Hein, parce que, vous, bon, comme les foncteurs exacts et fidèles préservent les intersections, donc euh, déjà, vous vous, vous vous ramenez au cas où vous savez que le, le premier objet est contenu dans le second. Et la question, c'est est-ce qu'ils sont égaux Autrement dit, est-ce que leur quotient est zéro ben, Comme le foncteur est exact et fidèle, vous le voyez sur les images. Donc ça veut dire que, que la, les, les propriétés qui définissent la théorie T, vous les lisez aussi bien ici, c'est-à-dire dans, dans, dans la catégorie d'arrivée de T, que dans M. Donc s'il y a un M qui est commun à toutes les théories homologiques, ben, ça veut dire qu'elles ont toutes la même théorie. Et donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, ce que dit corollaire, en fait, formulé en termes un peu provoquants, c'est que euh, si les motifs existent, les motifs, ils, 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 on peut les voir comme des objets de logique. Plus exactement, comme C'est-à-dire, connaître la, 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 la catégorie des motifs, c'est équivalent à connaître la théorie euh, qu'on suppose commune à tous les foncteurs homologiques. Alors ça, ça pose beaucoup de, évidemment beaucoup de questions. D'abord, bon, effectivement, on a envie de, de, quand on pense à ces relations d'inclusion. Euh, je pense que tout le monde croit qu'elles sont communes aux différents foncteurs, et donc ça veut dire qu'on on croit effectivement que les différents foncteurs ont la même théorie associée. Euh, et là, vous pouvez vous demander, ça fait partie des, des questions. Euh, bon, d'abord, comment est-ce qu'on pourrait démontrer que les ou essayer de démontrer que ces théories sont communes aux différents foncteurs, et puis à supposer qu'elles le soient, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse théorie commune à tous les foncteurs cohomologiques Est-ce qu'on peut en dire quelque chose Est-ce qu'à la limite, on, peut, on, peut, on, peut, on pourrait expliciter ces axiomes ou non Donc, c'est des questions qui sont posées. Ou est-ce qu'on pourrait a priori deviner la forme de tous les axiomes qui définissent cette théorie conjecturalement commune à tous les foncteurs comologiques donc ça fait partie des, euh, des questions euh, qui sont posées, euh, voilà. Et puis euh, alors évidemment, euh, euh, la, la, donc euh, on est, euh, enfin, est un, enfin, alors, en tout cas il faut essayer de travailler sur cette question, de se demander si ces théories ont, ont euh, effectivement les mêmes foncteurs homologiques associés, euh, pardon les mêmes théories associées. Et euh, bon, ben, ça, c'est euh, enfin, l'une des raisons d'être, ou la raison d'être principale de, de, de cet article, qui, qui est beaucoup plus sophistiqué. Ce que j'explique je aujourd'hui, les démonstrations que je vais donner la fois prochaine, c'est des choses qui, de, de, du point de vue de la théorie des catégories des topos classifiants, sont tout à fait élémentaires. En revanche, le, donc, euh, quand on commence à se demander, euh, enfin, essayer de, de, de cerner ce que pourrait être le topos motivique, euh, donc euh, là, il y a des choses beaucoup plus sophistiquées euh, qui interviennent. Euh, et euh, pour le moment, euh, on ne sait pas du tout si ça peut aboutir ou pas. Hein, mais mais j'essaierai, donc si j'ai le temps dans l'exposé 3, euh, j'essaierai d'expliquer de, quelque chose au moins pour donner une idée de, de ce qu'on peut essayer de faire. Hein, parce que vous voyez que le, le, cette théorie des topos classifiants, euh, c'est une théorie qui existe depuis les années 70. Euh, donc, qui est extrêmement général, qui est, qui est assez fascinante, enfin au moins pour moi, euh, mais qui n'a pratiquement pas été développée pour cette époque. Et je pense que depuis cette époque, et je pense que la raison est la suivante, c'est que quand on donc on sait associer un topos classifiant à n'importe quelle théorie, donc c'est une généralité extraordinaire, mais quand on a le topos associé à une théorie, comment l'étudier Et là, euh, donc Olivia. Euh, consacrer toute son énergie à ça et euh, donc quand on regarde par exemple euh, enfin, ce qu'elle a fait ou le, ce qu'elle essaie de faire le, on voit apparaître des propriétés des topos qui sont pas du tout les mêmes que celles considérées habituellement par exemple en géométrie algébrique en géométrie algébrique on utilise les topos comme pourvoyeurs d'invariants pourvoyeur d'un et donc on est habitué à faire avec les topos un certain nombre de choses donc quand vous étudiez les, 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 les topos, que vous voulez le, étudier les topos comme topos classifiants, donc c'est les mêmes objets, c'est les, les mêmes topos au sens de Rothendic, vraiment les mêmes, mais vous allez vous intéresser à des propriétés complètement différentes. Donc je voudrais donner une idée, disons si j'ai le temps dans l'exposé trois, j'essaierai de donner une idée du type de propriété auquel on peut s'intéresser. Voilà. donc normalement les topos en géométrie algébrique sont associés aux des sites comme le site étal, oui. le site cristallin, oui. etc Et aussi souvent ils sont des topos cohérents oui. donc il y a des, des conditions de finitude oui. est-ce que dans votre contexte les topos sont ce qu'on appelle les topos cohérents parfois mais pas toujours donc euh, ça dépend il y a, des... il y a une notion de, de, de théorie cohérente dont les topos classifiants vont être automatiquement des, des topos cohérents mais euh, il y a beaucoup de, de théories euh, intéressantes qui ne, sont pas, euh, euh, qui ne sont pas cohérentes. Donc c'est une pro effectivement ça c'est une propriété euh, qui, qui, a un qui a un sens et un intérêt dans, mais le, voilà donc j'espérais d'en dire un peu plus euh, voilà. Bon. Mmh.